bienvenue. Je remercie infiniment donc mes trois collègues donc qui m'ont rejoint, qui sont donc spécialistes de la diététique, donc Nadine Figuet, Sylvie De Certaines et Muriel Crézé, qui vont nous parler voilà de leurs expériences, de leur métier, et vont pouvoir donc approfondir tout ce que l'on sait déjà, puisque je pense que parmi les personnes qui sont présentes, beaucoup nous suivent peut-être sur les sites, peut-être avez-vous déjà participé à un défi culinaire qu'avait lancé Nadine, par exemple. Avez-vous peut-être aussi participé à des cours découvertes, puisque nous avons animé cela très régulièrement pendant toute la durée du confinement. Des journées portes ouvertes également virtuelles que nous faisons régulièrement. Donc, on a voulu aller un petit peu plus loin, puisque bien souvent, donc, toutes ces informations-là concernant les différents, les diplômes, en tout cas le BTS, vous avez pu souvent les avoir déjà avec nous. Et on voulait aller un petit peu plus loin, vous faisant vraiment découvrir tout l'univers de la diététique, c'est-à-dire tous les métiers qu'il est possible de faire, auprès de quel type de public, dans quelle spécialité. Ça nous semblait très important que vous puissiez connaître aussi les évolutions, bien sûr, du métier, les défis qui attendent aussi cette profession, puisque c'est une profession qui est en constante évolution, qui est en expansion également depuis plusieurs années, car c'est vrai que, je dirais qu'avec le contexte en plus sanitaire actuel, voilà, la question de la nutrition est au cœur, c'est vrai, de la préoccupation de chacun, et également, on le voit aussi, des pouvoirs publics par le suivi sur des pathologies lourdes ou moins lourdes. En tout cas, c'est une formation qui attire beaucoup de monde actuellement, donc d'où l'idée de ce petit point. Donc, je vais laisser dans un premier temps donc mes collaboratrices se présenter. On va commencer par Nadine, si tu veux bien nous parler un petit peu de ton parcours, et puis Sylvie et Muriel, pour que nos invités puissent se rendre compte un petit peu voilà, de quel métier vous faites réellement, vous avez pu faire avant, et par quel parcours vous êtes passé pour y arriver. Nadine, je te laisse la parole. Voilà, donc tout le monde m'entend, j'imagine. Oui, on t'entend bien. Bonjour à tous. Alors moi, j'ai un parcours un petit peu atypique puisque c'est une reconversion professionnelle que j'ai fait pour devenir diététicienne. Donc à la base, j'ai fait l'école hôtelière en fait. Et j'ai fait donc différents diplômes en pâtisserie, cuisine, voilà, au niveau de la gouvernance, etc. Donc voilà, donc j'ai fait tout ça. Et en fait, j'ai aussi fait 7 ans de grande distribution où j'étais responsable, donc rien à voir. Voilà, donc ça s'est passé comme ça. Et ensuite, donc, je me suis reconvertie donc, il y a quelques années. J'ai passé mon BTS diététique à distance à l'époque, donc c'est faisable, tout en travaillant et en ayant un enfant qui avait 1 an à l'époque. Voilà, donc bon. Donc, tout s'est bien passé. Et suite à ça, en fait, quand j'ai eu mon diplôme, on m'a demandé en fait, de faire de la formation. Donc, en plus des remplacements à l'hôpital et de mon cabinet libéral où je fais simplement des consultations à domicile parce que c'est impossible pour moi d'avoir un cabinet. J'y serais très, très peu de temps si j'en avais un. Donc, ce n'est pas du tout rentable, viable. Hein. Il faut quand même être raisonnable, je dirais. Du coup, donc aujourd'hui, je suis enseignante donc chez Adonis Éducation, donc pour les BTS diététiques, pour les CAP AEPE, donc c'est tout ce qui est CAP petite enfance en fait. Voilà. Ils ont un volet sur la nutrition aussi et l'alimentation du bébé. Tout à fait. Donc en fait, au niveau du CAP petite enfance, ils ont effectivement donc de la nutrition, de l'alimentation et également des techniques culinaires pour apprendre les recettes de base et surtout l'hygiène pour préparer les bons petits plats pour bébé. Voilà. Voilà. Donc ça c'est la parenthèse. À côté de ça, donc bon, j'ai mes consultations à domicile donc et je fais des remplacements à l'hôpital où je fais aussi de l'éducation thérapeutique du patient pour principalement les personnes diabétiques de type 1 et aussi de type 2. D'accord. Donc, tout à l'heure, justement, Nadine, je veux bien que tu nous reparleras tout à l'heure de l'éducation thérapeutique du patient. Oui, bien sûr. Nadine est très humble, elle ne nous le dit pas, mais elle était quand même meilleure pâtissière quand même de France. Donc, il faut quand même le dire. Et, attention, je fais une petite précision. J'étais meilleure apprentie pâtissier du Grand Sud-Ouest et du Lot. J'ai pas pu aller à la finale parce que j'étais embauchée pour travailler sur Monaco. Donc, à l'époque, je n'avais pas pu passer la finale. Je ne pouvais pas y aller, en fait. Voilà. Mais en tout cas, voilà, si vous regardez nos podcasts, c'est vrai que ces recettes sont vraiment très, très sympas. Donc, voilà, en tout cas, un départ plutôt dans le domaine de la cuisine, puis maintenant, donc, formatrice et diététicienne. Donc, merci en tout cas pour cette présentation, Nadine, et je te dis à tout de suite.
OK. Sylvie, si tu veux bien nous faire une présentation, voilà, de ton parcours également. Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce temps d'échange. Donc, pour ma part, eh bien, vous avez remarqué les cheveux blancs, hein, ça ne pardonne pas. 30 ans au service de la nutrition. J'ai eu la chance d'avoir finalement un parcours très, très diversifié et complémentaire à Nadine et Muriel aujourd'hui, je suppose. J'ai commencé à me former par une voie universitaire, on va dire, assez classique et général, en faisant un premier et un deuxième cycle donc de biologie, biochimie, physiologie de la nutrition. Et puis, force de constater que ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'avoir une application au niveau du consommateur, du patient. Et j'ai cherché à l'époque quel diplôme était le plus adapté pour pouvoir être opérationnel auprès de consommateurs et patients. C'est comme ça que j'ai fait donc du coup par équivalence avec ma filière universitaire, seulement la deuxième année de DUT, donc génie biologique, option diététique, qui permet aussi, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, Corinne, d'avoir le titre de diététicienne. Puis, assez rapidement, en fait, j'ai eu l'opportunité, j'habitais Paris à l'époque, de travailler pour la mairie de Paris pour tout ce qui était journée de prévention, d'éducation au niveau des scolaires. Je faisais également en parallèle des vacations dans une clinique métabolique pour tout ce qui était troubles du comportement alimentaire. Et moi aussi, comme Nadine, j'ai souhaité créer un cabinet libéral. Donc ça a duré quelques années. Et puis un petit peu, justement, et c'est un des avantages de notre métier, là encore, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, un métier passion multifacette, et bien d'embrasser une carrière plutôt dans l'industrie agroalimentaire, où j'ai travaillé pour des grosses firmes telles que Nestlé, telles que Lactalis, qui sont donc des gros faiseurs à la fois en agroalimentaire pur et qui ont des branches dédiées à la nutrition spécialisée. Donc, j'étais à travailler sur des produits d'alimentation artificielle, de complémentation orale, d'alimentation infantile. Je dirais, j'ai occupé différents postes à la communication médicale, à travailler donc à faire le lien entre l'industriel, ses compétences, la recherche et développement, et puis surtout coller aux besoins du monde médical qui nous prescrivait, qui nous achetaient les produits. Donc ça a été aussi une très belle expérience. Et puis entre-temps, j'ai, pour des raisons familiales, fait des choix de migrer sur la Bretagne, où j'ai donc rejoint effectivement l'équipe Adonis, parce que, fruit un petit peu de ces expériences multiples dont je viens de vous parler, j'ai souhaité essayer de transférer un petit peu les choses que j'avais vécues, mes compétences, mes connaissances, former les jeunes qui ont envie de se lancer dans cette profession que j'aime beaucoup et que je ne me lasse pas de pratiquer. Et du coup, j'interviens sur différentes matières professionnelles au sein du BTS diététique. Et en complément, je suis maintenant spécialisée sur une consultation libérale en parentalité, c'est-à-dire pédiatrie, nourrissons, enfants, adolescents, et femmes enceintes, femmes allaitantes. Voilà pour le moment le bilan de 2021. C'est bien, un beau bilan, Sylvie, que tu couvres presque tout le panel que je voulais présenter de mission. Donc, c'est super, de belles expériences. En tout cas, d'ailleurs, Bruno nous demande, Anaïs m'a fait passer une question, Bruno nous demande si tu pourras tout à l'heure nous parler donc justement de la diète en libéral. Et effectivement, aussi bien avec Nadine et toi, on avait prévu de faire un petit focus, un petit portrait du diététicien, de la diététicienne en libéral, Bruno. Donc, patientez un tout petit peu, tout ça arrive dans quelques minutes. Merci beaucoup, Sylvie. Je vais donner la parole donc à Muriel, si tu veux bien nous présenter également ton parcours, Muriel. Oui, bonjour et bienvenue. Alors, concernant mon parcours, j'ai eu mon BTS, moi, en 2013. Je me suis mise en libéral quasiment tout de suite après. Donc, je suis en libéral depuis 2015 maintenant. Mm-hmm. 2014 d'ailleurs, je dis une bêtise, 2014. Ensuite, j'ai passé un BPS, donc c'était un brevet professionnel supérieur, c'est un niveau 6 d'après les nouvelles données, je crois, du diplôme.
Un niveau bac plus 3, donc en diététique du sport, que j'ai passé en distanciel. Donc c'est pour ça que je rejoins Nadine, on peut y arriver en distanciel. J'ai également passé en 2019 un DU, donc celui de Paris Descartes, sur la nutrition du sportif de haut niveau. Depuis 2020 et 2021, je suis une formation aussi en ETP et en troubles du comportement alimentaire. Donc voilà les, entre guillemets, les différents diplômes que j'ai passés et que je passe actuellement. Mmh. Concernant mon expérience, donc ça fait donc depuis 2014 que je suis en libéral, en partenariat avec la Ligue contre le cancer, donc je suis sur Nantes, la Ligue de Nantes. J'ai travaillé 2 ans en salle de sport avec des sportifs amateurs comme professionnels. Je m'occupe actuellement du pôle espoir judo de Nantes, donc des sportifs qui sont en semi-pro, notamment plutôt des jeunes, donc qui ont entre 15 et 18 ans, donc qui ont besoin de conseils en alimentation, puisque c'est à cet âge qu'on découvre aussi plein de nouvelles choses qui ne sont pas forcément en accord avec le sport. Donc il faut remettre un petit peu les choses à plat. Et puis déceler aussi les troubles du comportement alimentaire du sportif de haut niveau, puisqu'il y en a malheureusement énormément. Donc c'est un peu un fléau de ce côté-là. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des diététiciens dans ces structures-là. Donc ça c'est le côté sport. À côté de ça, donc, je travaille aussi un petit peu en EHPAD, donc prise en charge de patients, principalement dénutrition. Et travailler un petit peu en thalassothérapie, donc avec des personnes qui viennent faire des cures suivant les pathologies, etc. Donc prise en charge de diabète, de rhumato, etc. Et puis du coup, j'ai rejoint le groupe Adonis en 2017, je crois. Oui. J'enseigne actuellement la nutrition, la diététique thérapeutique et les techniques culinaires. Voilà un petit peu pour mon parcours. Auprès des BTS et après aussi auprès des enseignants, aussi auprès des bachelors. Voilà. On développera un petit peu tout à l'heure aussi quand on parlera des poursuites d'études. Ça, oui, tout à fait. Oui. Un très beau parcours aussi, Muriel. Félicitations à toutes les trois. C'est un vrai plaisir de vous avoir parce qu'on va pouvoir aborder plein de thématiques. Alors, dans un premier temps, je vous propose de poser un petit peu les bases, c'est vrai, de la formation du métier de diététicien. Donc, comme vous le savez peut-être déjà, cette formation est très encadrée, elle est légiférée, bien évidemment, pour s'installer en cabinet libéral, un petit peu tous les profils que nous avons vus tout à l'heure, que ce soit en milieu hospitalier ou autre, il faut bien sûr être détenteur d'un premier diplôme en lien avec la diététique. Donc, les professeurs vont développer un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que ça commence par le BTS en diététique ou alors une deuxième voie, deux voies principales, le DUT génie biologique option diététique. Et c'est vrai que vous nous donnerez un petit peu votre avis tout à l'heure, les professeurs, par rapport à ces deux possibilités. En tout cas, dans tous les cas, ce sont des formations qui sont plutôt courtes, qui vous permettent d'arriver au métier de diététicien. Mais en revanche, les formations très spécialisées et très exigeantes, donc à dominante scientifique. Et finalement, ce BTS diététique, puisque c'est surtout moi celui que je connais pour avoir des étudiants chaque année en grand nombre au sein de nos établissements, donc une formation qui fait le lien entre la santé et l'alimentation. Et bien entendu, à l'issue de ce BTS, nos apprenants peuvent bien évidemment entrer en milieu professionnel parce qu'ils possèdent les compétences et les connaissances nécessaires, aussi bien théoriques que pratiques, pour les appliquer sur le terrain dans les divers domaines que vous avez vus. Bien évidemment, on a aujourd'hui bien sûr des personnes très expérimentées, mais en tout cas, ça permet d'intégrer de nombreux milieux. Et bien sûr, il y a des poursuites d'études possibles avec des bachelors ainsi que des licences professionnelles, comme nous l'a montré Muriel avec des approfondissements dans le domaine du sportif, ou comme nous l'a montré donc également Sylvie et Nadine. Donc, je vous propose de développer un petit peu tout ça. Donc, si vous avez des questions par rapport aux formations, à la formation même en diététique, n'hésitez pas, puisque c'est le thème que l'on va aborder. Alors, juste pour une petite précision, c'est vrai qu'au sein du groupe d'Adonis Éducation, c'est les apprenants les plus représentés chez nous, puisqu'on est présent sur différentes filières de la santé et du social, puisque chaque année, c'est plus de 850 apprenants qui sont formés à ce métier-là. Donc, aussi bien en enseignement
mois en présentiel sur nos 8 écoles, qu'également donc en enseignement à distance. Donc, c'est vrai que ce BTS est difficile, mais vous l'avez vu, parmi nos enseignants, deux professionnels qui ont validé à distance. Donc, je sais que souvent, les étudiants en licence, vous êtes un petit peu inquiets par rapport à cela, mais tout est possible avec beaucoup de travail, bien sûr, et une grande motivation. Mais comme l'ont dit chacun des enseignants, c'est vrai que ce sont des métiers passion, en tout cas. Donc, je vais peut-être vous laisser vous exprimer, les professeurs, par rapport à ce BTS diététique. Si vous souhaitez faire donc peut-être une petite présentation, je ne sais pas qui veut prendre la parole, les unes pour présenter le BTS et après pour nous parler un petit peu du DUT Génie Bio Option Diète qui permet aussi d'avoir le titre de diététicienne. Moi, je veux bien démarrer si vous souhaitez. Je laisserai peut-être ou Nadine ou Muriel sur la partie contenu des enseignements. Et puis, si vous le permettez, je vous parlerai peut-être un tout petit peu plus du DUT. D'accord. Que okay. J'ai eu l'opportunité, soit il y a longtemps, mais dessus cette filière. Donc, moi, ce que je voudrais faire ressortir à la fois en tant que formatrice au sein du BTS diététique Adonis pour avoir encore une fois bénéficié de l'enseignement universitaire via un DUT. On a donc la même finalité, on est bien d'accord, c'est-à-dire de préparer en 2 ans le diplôme national de diététicienne, c'est-à-dire avoir la possibilité, l'opportunité, le nécessaire et suffisant pour commencer notre métier. Donc ça, c'est une chose de sûre. Après, il y a quand même des différences majeures, je pense, qu'on doit vous faire passer. Le BTS diététique, que ce soit chez Adonis ou le BTS diététique au sens large dans toutes les écoles qu'il prépare, c'est vraiment le diplôme de qualité qui permet de rentrer dans la vie professionnelle immédiatement. Autrement dit, c'est une première marche incontournable pour pouvoir exercer notre métier, comme on le disait juste avant. L'idée du DUT, filière universitaire, que j'avais pu suivre, mais ça n'a pas changé de philosophie, si je puis dire, c'est plutôt la poursuite d'études sur de la recherche. C'est-à-dire que souvent, ce sont des personnes qui ont une visée de nutrition au niveau cellulaire, par exemple, à la différence de la nutrition humaine avec un vrai patient, un vrai consommateur à conseiller. Donc, vous voyez, on est sur un axe différent et on part avec une première marge de 2 ans pour avoir le DUT, mais en sachant et en se disant qu'on est sûr de vouloir continuer, et c'est ce en quoi ça peut être intéressant pour certains d'entre vous, un bac plus 5 niveau master et faire finalement un petit peu, si je dois mettre des guillemets, de l'ingénierie de la nutrition. D'accord. C'est vrai que dans l'intitulé, c'est plutôt ensuite, en plus, option diététique, hein, ce qui veut bien dire qu'on est sur un domaine théorique, bio, etc., très important, avec seulement une option, la diététique. Voilà. Donc, si au départ, je dirais, pour les invités que nous avons aujourd'hui sur le forum, vous êtes plutôt à avoir une grande appétence pour le monde de la diététique et nutrition, avec l'envie de conseiller, comme Muriel, comme Nadine, comme moi, des vrais patients ou des vrais consommateurs, eh bien, mon conseil, ce serait quand même d'aller plutôt faire déjà un BTS diététique, quitte après à se spécialiser, comme Muriel ou Nadine l'ont expliqué, sur des choses plus spécifiques. Si par contre, encore une fois, vous savez d'emblée déjà que en reconversion ou en formation initiale post-bac, vous voulez partir pour 5 ans et plutôt pour faire de la recherche en nutrition, eh bien là, ça vaut peut-être le coup d'étudier le DUT. Voilà pour vous éclairer. Merci beaucoup Sylvie. Nadine ou Muriel, vous souhaitez parler un petit peu du BTS ? Oui, je peux prendre la suite. Oui, ok. Donc, par rapport au BTS, du coup, en présentiel, pour le coup, puisque Nadine, tu pourras peut-être parler justement du distanciel, pourquoi pas ? Oui. Je ne sais pas s'il y a une différence, justement, on va voir ça. Par rapport au présentiel, donc, première année, on se base uniquement sur les biens portants. En termes de matière, on va avoir de la nutrition, uniquement basée sur des populations. Donc, ça va de l'enfant jusqu'à la personne âgée. On va parler aussi d'alimentation. Donc, on va étudier énormément d'aliments en détail en termes de macronutriments, micronutriments, etc.
Il va y avoir de la physiologie, donc basée sur le corps humain, qui fonctionne parfaitement bien. Puis en deuxième année, bah justement, on va voir quand il fonctionne moins bien. On va parler un petit peu de biochimie. Alors, c'est un petit peu la bête noire des élèves, mais il ne faut pas avoir peur non plus. Hein. C'est un, voilà, une matière qui fait peur, mais honnêtement, quand c'est bien amené, il n'y a aucun problème avec cette fameuse biochimie. On va avoir également de la microbiologie, donc un petit peu en première année, tout ce qui va être étude des bactéries. Bien sûr, de la technique culinaire. Alors, ça ne s'appelle plus comme ça, c'est activité technologique de l'alimentation. Ouais. Mais bah, c'est tout simple, avant de donner des conseils, il faut quand même un minimum apprendre à cuisiner. Donc on apprend les bases de la cuisine, en tout cas pour ma part. Donc voilà, on apprend vraiment les bases avec des recettes simples dans un premier temps. Et puis en deuxième année, bah, on va tout simplement les complexifier un petit peu avec tous les différents, toute l'alimentation thérapeutique en fait, qu'on va voir en deuxième année. Donc, vraiment basé sur le bien portant. Alors, il me semble que je n'ai pas oublié de matière, j'espère. Peut-être. Non, après, tu avais parlé de l'éco-gestion. Oui, effectivement, l'éco-gestion bah, pour gérer, pourquoi pas, un cabinet après en libéral, hein, tout simplement, avoir les bases. Puisqu'après le BTS, on peut s'installer directement en libéral. On a les bases, en tout cas, pour. En deuxième année, du coup, basé sur la pathologie. Donc on va avoir, on va retrouver toujours de la physiologie, hein, mais avec une autre matière qui n'est pas en première année, mais uniquement en deuxième année, c'est la physiopathologie. Donc quand l'organe est malade, qu'est-ce qui se passe, hein, tout simplement. On connaît l'organe qui est en bonne santé, quand il est, quand il y a une pathologie, qu'est-ce qui se passe, comment mon corps réagit, et du coup arrive la diététique thérapeutique. Donc qu'est-ce que je vais mettre en place comme alimentation thérapeutique pour pallier aux effets de la pathologie. Donc, on apprend tout ça. Donc la diététique thérapeutique, de la physiopathologie, qu'est-ce qu'on a en plus, biochimie, on la retrouve aussi. Oui. La physiologie, on la retrouve. La technique culinaire, donc l'activité technologique de l'alimentation adaptée du coup aux malades. Et puis qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors il y a aussi l'épreuve d'anglais qui est obligatoire maintenant. Okay, oui. Voilà, donc il y a de l'anglais. Il y a de l'anglais. Et ils ont rajouté l'environnement professionnel sur la première et deuxième année aussi. Donc, ça, je peux en parler parce que je l'ai eu, la matière, et j'ai fait le livre de deuxième année. Donc, l'environnement professionnel, première année, c'est beaucoup les textes de loi. Enfin, c'est beaucoup voilà, autour du juridique, je dirais, pour faire simple. Donc, ce n'est pas vraiment le bon côté. La deuxième année, c'est beaucoup plus sympa parce que c'est vraiment le métier de diététicienne. Donc là, on fait le tour de choses plus intéressantes. Voilà, comment voilà, on fait quand on vient d'avoir le diplôme, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, il faut aller s'enregistrer pour avoir le numéro Adélie, tout ça. Voilà, les choses un peu plus pratiques, on va dire, sur la deuxième année. Donc ça, c'est pas mal, par contre. C'est bien quand même qu'il ait mis, parce que ça, c'est vrai que ce n'était pas intégré dans l'ancien référentiel. Et j'avoue que les étudiants, c'était aussi une demande qu'ils avaient de savoir ben, comment on fait après, quand on a le diplôme. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal aussi. Voilà. Après, alors oui, tu voulais rajouter quelque chose, peut-être Muriel, parce que je t'ai coupé. Non, c'est bon, je pense que j'ai tout dit. D'accord. Alors, juste pour rebondir, parce que tu disais effectivement, voilà, toi, tu parles du présentiel et comment ça se passe à distance. Alors, à distance, c'est le même programme, hein, de toute façon, hein, c'est exactement la même chose, à part qu'il faut être vraiment très autonome, il faut travailler régulièrement, renvoyer les devoirs régulièrement. Voilà, donc c'est surtout ça, en fait. C'est un travail, voilà, s'il faut être, on est tout seul, donc, enfin, tout seul, l'école. Quand on est inscrit dans une école à distance, l'école est là quand même pour nous épauler. Hein. Il y a quand même des choses qui… Voilà, il peut y avoir une interaction. Mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on a eu un questionnement tout de suite. Et puis là, à ce moment-là, peut-être qu'il n'y a personne qui peut nous répondre tout de suite. Donc, c'est peut-être ça qui n'est pas toujours évident par rapport à l'enseignement à distance. Maintenant, si la personne, elle est très motivée et si voilà, elle fait vraiment le programme au fur et à mesure, comme c'est mentionné, hein, de toute façon… Il n'y a pas de souci vraiment, hein, je veux dire, ça se passe bien, voilà, il n'y a pas de raison. Voilà. Par contre, après, il y a aussi le côté, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi nos 20 semaines de stage. Oui, bien sûr. Donc, il y a le côté, effectivement, voilà, à l'école, mais il y a aussi les 20 semaines de stage. Donc, il faut aussi penser que ça, c'est quelque chose à rechercher un petit peu en amont, hein, puisqu'il y a quand même deux stages la première année donc, de restauration collective à faire. D'accord ? Donc, c'est un de 3 et un de 2 semaines maintenant. Ensuite, la deuxième année, on a deux stages thérapeutiques. Donc, ça a toujours été le cas.
donc de 10 semaines en tout, c'est 2 fois 5 semaines en règle générale, et le stage optionnel qui est passé à 5 semaines. Donc ces stages-là, c'est vrai que voilà, c'est important de se dire un mois avant, bon, ben, tiens, là, il faut que je cherche mon stage thérapeutique. Ça sera trop tard. Il faut aussi vraiment un début de formation même. Un début de formation, parce que les plannings se font quasiment un an à l'avance chez nous. Donc, il faut vraiment que ce soit fait quand même en avance, hein, ce type de demande. Oui. Justement, tout à l'heure, on verra quels conseils vous pourriez donner, aussi bien pour la recherche d'emploi que la recherche de stage. Ce serait qu'on pointera un petit peu du doigt qu'en restauration collective, les stages se trouvent relativement facilement. À l'inverse, en milieu hospitalier, c'est plus compliqué. Donc, tout à l'heure, si vous voulez bien, vous parlerez un petit peu de tout ça pour aider les personnes peut-être qui nous écoutent, qui sont en formation et à qui vous pourriez donner quelques petites infos pour améliorer en tout cas l'efficacité de leur recherche. Merci beaucoup en tout cas pour ce petit point sur le BTS. Alors je rappelle en effet que les professeurs chacun l'ont soulevé, hein, que c'est un BTS quand même qui est difficile. Vous avez vu qu'il avait, comme on le disait, un caractère scientifique. En revanche, sur certains établissements, comme le nôtre, par exemple, vous avez des possibilités de faire des remises à niveau scientifiques. Il y en a un nombre d'apprenants, aussi bien en distanciel qu'en présentiel, qui ne sont pas issus de la filière scientifique. Donc là, c'est pareil, ne baissez pas les bras, tout est possible. En revanche, vous êtes accompagnés pour acquérir les bases que vous n'auriez pas de différentes manières en enseignement à distance ou en présentiel. Ensuite, Alice nous posait une petite question très compliquée de trouver des stages. On en reparlera tout à l'heure. Alice en fera un petit point justement sur les stages. Mais je sais que pour les personnes en enseignement à distance, c'est encore un petit peu plus compliqué. Mais on refait un petit point tout à l'heure. Pour terminer sur la formation, j'aimerais qu'on évoque un petit peu la poursuite d'études, puisque le BTS diététique permet de s'installer en libéral. Après, c'est vrai qu'on peut repréciser également que pour pouvoir réellement exercer, il ne faut pas oublier que le diététicien, depuis la loi du 4 mai 2017, doit vraiment s'enregistrer au répertoire ADELI, hein, pour pouvoir recevoir du patient, travailler sur prescription, etc. Mais c'est vrai qu'après ce BTS-là, on peut envisager des poursuites d'études, et notamment, je pense que c'est souvent très bien pour les plus jeunes d'entre vous, le temps d'acquérir de la maturité, une certaine expérience du terrain, puisque c'est vrai que très vite, lorsqu'on est en milieu hospitalier, on peut se retrouver confronté à des personnes avec des pathologies lourdes. Et c'est vrai que pour ceux qui ont des velléités de s'installer en libéral, c'est bien aussi d'avoir aussi des connaissances un petit peu plus solides. Donc pour cela, après le BTS, vous avez donc des poursuites d'études possibles, donc en bachelor, master, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, et également en licence pro ou DU. D'ailleurs, tout à l'heure, Muriel, tu nous as parlé de DU que tu as pu faire. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Je sais qu'il peut y avoir des choses dans la nutrition santé, dans l'éducation thérapeutique du patient, micronutrition, la nutrition appliquée, bien sûr, aux activités physiques, aux sportifs, nutrition de l'enfant, on l'a vu aussi avec Sylvie. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quelle poursuite d'études vous avez fait en rentrant un petit peu plus dans les détails? Muriel, si tu veux commencer. Oui, tout à fait. Alors, après le BTS, donc, comme je vous disais, j'ai le BPS donc en niveau Bac plus 3. C'était vraiment axé donc uniquement sur le sportif, parce qu'en BTS, on le voit, mais c'est pas, on va pas vraiment en profondeur quand même par rapport à ça. Donc là, c'était basé sur des nutriments essentiels pour le sportif, comme par exemple le fructose. Donc il y a vraiment tout plein d'heures sur le fructose, pourquoi on doit en mettre, pourquoi on ne doit pas en mettre, etc. Donc on va beaucoup plus dans le détail, c'est beaucoup plus précis. On va étudier, donc on va faire un petit peu de micronutrition. Mais encore ici, dans cette formation-là, c'est vraiment sur le sportif amateur, mais pas encore trop pro. C'est pour ça que j'ai continué en faisant justement ce fameux DU, nutrition et activité physique, donc à Paris, où là, vraiment, on prenait en charge des sportifs de haut niveau. Donc, ça reprenait quand même un petit peu le BPS que j'avais pu faire avant, mais c'est vraiment axé sportif de haut niveau. Et le type de DU, Muriel, c'est du temps plein? Comment ça se déroule exactement? Alors, pas du temps plein. L'avantage en fait des DU, c'est que vous pouvez travailler en fait en même temps. Il y en a certains. Alors, celui que j'ai fait, c'était un jeudi par mois seulement, où on devait se rendre à Paris.
Donc, un jeudi par mois, ça reste raisonnable. Il y en a, ça peut être une semaine complète tous les mois ou tous les 3 mois. Ce ne sont pas des temps pleins. Alors, peut-être qu'il y en a, attention, hein, je ne les connais pas tous, mais c'est facilement faisable en travaillant à côté. Donc, l'hôpital plus un DU, libéral plus un DU, ça, c'est tout à fait possible. Par contre, là où il faut bien faire attention, c'est qu'un DU, ce n'est pas un bac plus quelque chose. C'est bien une option en plus, hein, un diplôme universitaire. Donc, c'est là vraiment où il faut faire la différence avec des bachelors, par exemple, ou des licences. Ou des licences, d'accord. Voilà. Très bien. Donc, j'avais une petite question justement à ce sujet. Alors, est-ce qu'au niveau des spécialisations, par exemple, dans le domaine du sport ou de la pédiatrie, est-ce qu'on peut le faire juste après le BTS? C'est une des questions de nos invités. Alors, en soi, on peut le faire. Maintenant, il faut quand même un peu d'expérience, je pense, dans le domaine. J'avais travaillé comme en salle de sport avant d'intégrer le DU. Donc, ça m'a permis quand même de mieux comprendre certaines choses. Mmh. Alors, c'est pas qu'on... Attention, on ne peut pas. C'est juste que je pense que l'expérience est un plus si on veut intégrer un DU. D'accord. Voilà, après, pardon. Si je peux me permettre de compléter, Muriel, par rapport au DU en lien avec la pédiatrie. Alors, il y a ce que tu as évoqué, effectivement, l'expérience qui compte parce que on est quand même sur une surspécialité, on va dire, et on est sur, quelque part, une valeur ajoutée par rapport à, effectivement, un BTS et son contenu. Donc, c'est effectivement... très important l'entité expérience, mais pour ceux que j'ai eu fait et que je connais en pédiatrie, il y a aussi parfois beaucoup de candidats. Or, les DU sont en général avec des promotions allant de 30 à 50 étudiants, pas davantage, donc il peut y avoir une sélection qui se fait. Et moi, mon conseil, c'est quand même de l'aborder, comme disait Muriel, une fois qu'on s'est fait un petit peu à ce service spécialisé dans lequel on travaille ou à sa forme de libéral qu'on a déjà un petit peu construit, pour que ce soit le plus bénéfique possible. Oui, on voit les outils manquants. C'est vrai que dans beaucoup de métiers actuellement, c'est qu'il y a d'une part la remise à jour par rapport aux législations, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure par rapport aux évolutions. Mais je pense que dans votre métier, à chacune, il y a aussi des évolutions dans les techniques de prise en charge, les produits, etc. Et c'est vrai qu'on a aussi souvent besoin de nouveaux outils selon voilà, les personnes que l'on prend en charge. Alors, il y a des petits retours en arrière. On va prendre des questions au fur et à mesure, hein, si vous le voulez bien. Alors, un tout petit retour en arrière où on me demande quel bac est-ce que l'on préconise en priorité. Donc, bien évidemment, un bac à caractère scientifique. Alors, aujourd'hui, on ne peut plus parler de filière C, etc., parce que ce sont des options. Donc, évidemment, si vous êtes plutôt à l'aise sur le scientifique, il faut partir sur des options scientifiques, bien sûr. Ensuite, on m'interroge sur la partie du stage. Donc, ça, on y reviendra tout à l'heure. Et simplement, par rapport au BTS, est-ce qu'il y a donc un examen en fin de première année? Non, c'est vrai qu'alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres établissements, mais en tout cas, enfin pour tout le monde, c'est un BTS en épreuve terminale, c'est-à-dire que vous passez vos épreuves à la fin des 2 années. Bien sûr, quelque part, votre dossier intervient quand même, c'est-à-dire que si vous aviez un dossier qui était un petit peu faible, 9,98, 9,99, dans ce cas-là, le jury prend connaissance de votre dossier, donc là interviendraient vos notes obtenues pendant les 2 années. Mais sinon, voilà, pas d'épreuve intermédiaire en première année, simplement des examens blancs, des choses comme ça, mais qui ne comptent pas pour les épreuves, en tout cas terminales. J'espère avoir répondu à vos questions. Donc, je regarde s'il y a d'autres petites questions. Alors, une petite question pour toi, je pense, de nouveau, Muriel. Est-ce que le DU sportif haut niveau peut être fait, alors directement après le BTS, on y a répondu, pardon. Ou alors, est-ce qu'on peut faire un DU du sportif amateur? Ou alors, faut-il faire un DU sportif amateur? Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Muriel, mais il me semble qu'on a répondu à cette question-là tout à l'heure. Alors, c'est pour le sportif amateur. Il y a un autre DU qui existe, parce que moi, c'était vraiment sportif de haut niveau. Il y en a un, c'est activité juste physique, justement pour des personnes qui souhaitent se remettre au sport. Il existe aussi, alors je ne sais plus exactement le terme, mm-hmm. mais ce sont des sportifs amateurs pour le coup et pas des sportifs de haut niveau. D'accord, donc il y a un DU spécialisé un petit peu plus dans ce domaine, ça existe. Mais je n'ai pas le nom en tête.
D'accord. Et on pourrait le faire éventuellement directement après le BTS, j'imagine, si on veut d'emblée s'orienter vers une salle de sport ou quelque chose comme ça. Exactement. D'accord. Et ensuite, troisième année spécialisée sur la nutrition du sportif, à quel genre de métier cela mène? Donc, tout à l'heure, on développera un petit peu les métiers, mais si tu veux amorcer un petit peu une réponse, Muriel, Bah je alors pense qu'il y a des après, sportifs parmi nous aujourd'hui. oui, je pense aussi. Bah en fait, c'est diététique du sport, donc diététicienne du sport, hein, spécialisée dans le sport. Il faut vraiment quand même cette spécialité avant de se lancer avec ce type de public, parce qu'on peut penser que c'est facile en mettant tout bête plus de protéines, moins de lipides et plus de glucides pour avoir des gros muscles. C'est pas aussi simple que ça, pas aussi simple que ça, et on peut faire de gros dégâts. Comme je vous ai parlé, je vous ai dit en début par rapport aux judokas par exemple, ils ont besoin de protéines, de glucides, mais le problème c'est qu'il peut y avoir énormément de troubles du comportement alimentaire. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il me faut quand même cette spécialité et le BTS ne suffit pas par rapport aux sportifs. Donc, les débouchés, c'est diététicienne du sportif ou diététicienne spécialisée dans le sport. Ok, merci beaucoup Muriel. Alors, après, c'est vrai que j'ai une question également là qui va porter, alors qui prendrait quand même pas mal de temps pour expliquer comment se déroule la formation d'enseignement à distance. On sait qu'aujourd'hui, le propos, c'était plutôt de découvrir quand même vraiment tout l'univers. En revanche, concernant réellement nos formations, donc les enseignements à distance, vous avez vraiment plusieurs modules que je pourrais vous détailler. Donc, tout à l'heure, je vous donnerai mon contact, mais sinon, je vous invite vraiment à venir nous rejoindre si vous le souhaitez samedi. Donc, à partir de 9h30, nous organisons une journée portes ouvertes virtuelle où là, nous serons vraiment focus sur les formations et les différentes modalités pédagogiques. Hein. Donc, n'hésitez pas à reparticiper. Sinon, au niveau des différentes formules, il y a des accompagnements, je dirais classiques, et des accompagnements plus poussés avec des cours en direct avec nos formateurs par le biais de visio. Certaines formules, notamment, vous avez des cours tous les matins, du lundi au vendredi, en visioconférence. Donc, samedi, on fait un petit point là-dessus si vous le souhaitez. Ou n'hésitez pas à me contacter également téléphoniquement pour qu'on puisse vraiment parler des modalités propres à la distance. Donc, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le point voilà, sur les poursuites d'études. Alors, il y a une petite question, je crois, pour toi, Sylvie, partenaire de la Ligue du Cancer. En quoi cela consiste? Alors, on le verra peut-être tout à l'heure plutôt dans les débouchés, hein, plutôt que dans la formation. Donc, je reprendrai cette question-là plus tard. Alors, l'idée pour moi aussi, Muriel, Sylvie et Nadine, c'était que vous puissiez nous dresser un petit portrait robot, je dirais, de la diététicienne, puisque je pense qu'elle ne travaille pas seule dans son coin. Pour le moment, on a quand même pas mal parlé de la diète. Alors, moi, j'aurais aimé que vous puissiez nous dire un petit peu quels sont les partenaires de santé hein, avec lesquels travaillent les diététiciens. Et peut-être résumer un petit peu les rôles, puisque moi, quand je pense diététique, je pense à quelqu'un qui va pouvoir donner des régimes. Je pense souvent à perte de poids ou sport, mais je pense que cela englobe bien d'autres choses. Alors, est-ce que vous pourriez me donner à chacune votre vision du rôle de la diététicienne, sans entrer vraiment, enfin, en commençant aussi à nous parler un petit peu des différentes missions. Nadine, si tu veux bien commencer. Alors, bon, moi, si je prends mon cas, je dirais, parce que comme ça, voilà, ça sera un petit peu différent de mes collègues. En ce qui me concerne, moi, je travaille, donc quand je suis à l'hôpital, bien sûr, avec toute une équipe de médecins, d'infirmières, etc. Donc, bon, voilà, c'est des spécialistes, hein, de toute façon, hein, les médecins. Donc, on va dans tous les services, que ce soit la médecine, la chirurgie, que ce soit même les soins palliatifs, hein, parce que, bon, on pense effectivement. Diététicien, on pense perte de poids, mais il n'y a pas que ça. On accompagne aussi des personnes en fin de vie. Voilà, donc c'est aussi une petite chose qu'on peut faire pour eux pour améliorer leur quotidien, puisqu'on essaie de leur donner une alimentation un petit peu côté plaisir pour le coup, pour les accompagner jusqu'à la fin. Voilà, donc ça c'est aussi ce cas-là. Après, on peut aussi être amené, alors c'est plus rare, mais parfois la maternité peut téléphoner en disant, bon, ben, on a une maman qui mange sans gluten, on a une maman qui, voilà, des petites spécialités, des petites choses comme ça. Donc, on peut travailler aussi, moi, je travaille aussi quand je fais le diabète gestationnel avec les sages-femmes, hein, du coup, quand on fait les ateliers, voilà, donc c'est assez varié. Ensuite, que ce soit à l'hôpital, mais aussi ça peut être en restauration collective, on va travailler aussi avec le service restauration
qui va fournir donc les plateaux repas pour les personnes qui sont à l'hôpital. Voilà, donc, et aussi, ça peut être dans une cuisine centrale aussi, par exemple, pour des biens portants. Hein, voilà, il y a aussi cuisine centrale, ça va, par exemple, desservir tout ce qui est école, collège, crèche. Enfin, voilà, c'est très varié. Donc, c'est vrai que le métier du diététicien est extrêmement varié. Je veux dire, c'est pas juste faire des régimes pour perdre du poids. D'ailleurs, moi, le mot régime me déplaît. Je préfère dire rééquilibrage alimentaire, c'est un peu plus sympa. Parce que les régimes, c'est surtout dans les magazines, et ça, il ne faut pas trop le regarder, en fait. Hein, je le vois plutôt comme ça. Voilà, je ne sais pas ce que pensent mes collègues, mais moi, à force les régimes, quand on m'appelle pour me dire voilà, je dois prendre des kilos pour mettre le maillot cet été, c'est pas vraiment les personnes, voilà, les profils que qu'on préfère en fait. Voilà, c'est vrai que quand il y a une pathologie, quand il y a quelque chose, voilà, on travaille avec d'autres personnes. Quand on travaille avec un médecin, une infirmière, que c'est une équipe pluridisciplinaire, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Voilà. Mais bon, après, ça, c'est le goût et les couleurs. Pour, voilà. Il y en a pour tout le monde, hein, je dirais, dans ce métier-là. Voilà. Et après, il y a aussi ensuite tout ce qui est qualité aussi à l'hôpital. Donc, on va peut-être faire un prélèvement sur les plateaux, vérifier si les quantités sont bonnes, les températures. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, hein, rien qu'à l'hôpital déjà. Hein, donc, c'est énorme. Et ensuite, je ne sais pas, je vais les laisser parler. Je laisse la parole à mes collègues. Il y a plein d'autres choses. Sylvie, je te passe la parole, si tu peux nous parler. Alors, je pense qu'il doit y avoir des diagnostics. Alors, est-ce qu'on travaille que sur prescription médicale, par exemple, quand on est diététicien? J'imagine que non. Et sinon, en termes de diagnostic, je pense que la profession a le droit de poser un diagnostic. Dans quel terme? Comment est-ce que ça se passe exactement? Je ne sais pas si ma question te paraît professionnelle dans ton jargon. Dis-moi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est des questions récurrentes pour nous. Donc, déontologiquement parlant, on est quand même soumis à une réglementation très stricte. On a eu depuis 2007 au niveau législation donc un diplôme d'État qui est très formaté, et donc on a obligation en tant que professionnel diététicienne diplômée d'État de se conformer bien sûr à cette réglementation, et normalement notre acte diététique est uniquement sur prescription médicale. Bien sûr, ça c'est la théorie. Hein. Pour autant, il est vrai qu'on est parfois amené à conseiller, à accompagner, à prendre en charge, surtout en activité libérale, des personnes qui, entre guillemets, arrivent spontanément parce qu'elles-mêmes rencontrent des difficultés ou se posent des questions. On pense par exemple actuellement à quelque chose qui motive pas mal de consultations dès le plus jeune âge, d'ailleurs, c'est tout ce qui est alimentation alternative, donc tout ce qui est végétarisme par exemple au pluriel. Là c'est rarement un médecin effectivement qui va être le bon interlocuteur et qui va proposer à son patient de venir nous voir. Donc là on a des actes de prise en soins diététiques sans prescription médicale, mais sinon il est bien certain qu'on c'est quand même avoir une validation, une orientation, ce qui n'exclut pas, et à mon avis, pour rebondir sur ce que disait Nadine, des regards croisés que j'aime bien mettre en place, moi aussi, c'est-à-dire s'appuyer sur les compétences d'autres professionnels de santé pour pouvoir offrir la meilleure solution globale de prise en charge médicale, dont la prise en soins diététique. Donc, pour détailler juste un tout petit peu, pour ma part, donc je vous ai dit tout à l'heure, je travaille dans un pôle de parentalité avec donc 27 professionnels autour de la petite enfance. Et il s'avère que vous voyez, on a cette approche justement pluridisciplinaire avec donc la diététicienne, le pédiatre, la diététicienne, l'orthophoniste, la diététicienne, la psychomotricienne, la diététicienne, l'ergothérapeute, la diététicienne, le kinésithérapeute, la diététicienne, la psychologue, enfin, je ne vais pas vous citer évidemment tous les collègues, mais on comprend bien qu'il y a vraiment ce besoin, cette notion, et je pense que c'est plus enrichissant pour nous en tant que diététicienne, mais surtout au service du patient, d'avoir justement cette prise en charge qui est offerte et qui est beaucoup plus générale, globale, et où on peut espérer évidemment apporter les solutions les plus adaptées et les plus durables dans le temps.
Donc ça, c'est effectivement à compléter par rapport à ce que Nadine évoquait. Oui. Moi, l'autre versant donc, que j'ai beaucoup pratiqué, c'est quand même en industrie agroalimentaire, où les choses sont aussi très intéressantes, puisqu'on est amené, par exemple, dans un service recherche et développement, à travailler avec des ingénieurs qualité, qui vont faire de l'analyse sensorielle ou éventuellement quand on va vouloir créer une gamme de nouveaux produits, eh bien, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui, sur un plan technique, dise bah voilà, dans ce produit, c'est destiné à tel consommateur, telle population, donc je vais mettre tel et tel ingrédient dans mon produit. Mais donc, ça, c'est le rôle de la diététicienne, vous l'aurez compris. Mais après, il va y avoir évidemment toute une équipe qui va être là pour mettre en musique technologiquement, si je puis dire, ingrédients et faire en sorte que le produit puisse répondre à une législation et puisse répondre à sa vocation du pourquoi il est créé. Puis, dernière partie dans l'industrie où la diététicienne intervient beaucoup, c'est sur donc tout l'aspect dégustation des nouveaux produits. Parce que il est bien certain qu'il y a le cahier des charges, j'ai envie de dire technique, et puis il y a comment je vais le vendre, ce produit, est-ce que ça va plaire à tel type de consommateur, est-ce que j'ai des chances qu'on me l'achète. Donc là, c'est évidemment en lien avec les équipes commerciales et marketing que la diététicienne va travailler. Et puis, dernière facette pour l'industrie, c'est tout ce qui va être service de consommateur. Maintenant, vous n'avez qu'à voir sur nos produits de grande consommation. On a souvent, justement, le numéro de consommateur qu'on peut effectivement interpeller. Et là, c'est aussi des diététiciennes qui sont en charge de répondre aux consommateurs patients. Voilà, pour ma part, l'expérience de pluridisciplinarité dans notre métier. Alors, j'ai une petite question. Alors, peut-être Sylvie, mais aussi Nadine et Muriel, hein, si vous souhaitez intervenir. Donc, j'ai une question par rapport au service cancéro. Donc, partenaire de la Ligue du cancer, en quoi cela consiste, Sylvie, pour se diriger vers la cancérologie, quel conseil avez-vous à donner? Alors, je ne pense pas être la plus à même de répondre. J'ai entendu que c'était Muriel, la grande spécialiste. C'est Muriel, oui, je ne sais plus. Hein, je sais que vous trois, voilà, qui avez cette expérience-là, en tout cas. Alors, la question, est-ce qu'elle peut être répétée? J'ai pas... Bien sûr, Muriel. Alors, partenaire de la Ligue du cancer, en quoi cela consiste? Alors, c'est un service qui a été créé par la Ligue contre le cancer qui s'appelle Proxy League. Oui. Donc, c'est un accompagnement pour des personnes qui ont eu des cancers. Donc, une fois revenus à domicile, en fait, ils ont la possibilité de faire appel à des diététiciens, à des coachs sportifs, à des esthéticiennes, socio-esthéticiennes. Tout ça, c'est gratuit pour le patient. Ouais. C'est vraiment l'association, donc la Ligue, qui finance tout ça. Et donc là, mon rôle, c'est que quand la personne qui a eu un cancer m'appelle, c'est de faire un bilan un peu diététique alimentaire et savoir comment est-ce que je peux faire pour soulager, par exemple, des douleurs abdos, un transit qui est trop rapide, par exemple, ou trop lent, des difficultés à avaler, des modifications de texture. On va vraiment vérifier tout ça ensemble et on va mettre en place une alimentation thérapeutique adaptée vraiment à la pathologie et puis en lien bien sûr avec les médicaments, avec la chimiothérapie, parce qu'avec la chimiothérapie on perd énormément le goût, on n'a pas forcément d'appétit, donc on essaie de trouver en fait des solutions pour que le patient mange suffisamment, qu'il y ait assez d'apport et qu'il ne soit pas dénutri parce que ça pourrait aggraver derrière sa pathologie. Donc voilà un petit peu mon rôle au sein de la Ligue. Et la Ligue nous forme en fait sur la cancéro. D'accord. Et il y a un parcours que tu conseillerais pour arriver à travailler dans ce domaine, parce qu'il y a une de nos invitées qui a l'air d'être particulièrement intéressée par ce domaine d'activité en cancéro. Il y a des DU. Hein. DU. Oui. Je pense aussi qu'il y a des licences. Il y a des possibilités, hein. Il y en a plein, d'EDU ou des licences. Des compléments de formation, donc. Hein. Ouais. Enfin, en complément, oui, parce qu'en BTS, on le voit très peu quand même. D'accord. Merci beaucoup, Muriel. Alors, là, c'est une question à toutes les trois. Je ne sais pas laquelle pourrait répondre. Alors, si on souhaite travailler dans l'écriture d'articles sur la nutrition et surtout la traduction, quels sont les débouchés? Alors, j'imagine que c'est l'agroalimentaire, les laboratoires pharmaceutiques, pour les compléments, est-ce qu'une de vous veut répondre à cette question?
Alors, j'ai pour ma part eu l'occasion d'écrire un petit peu aussi. Oui. En fait, souvent, moi, mon conseil, c'est de pouvoir se rapprocher des grands groupes d'agroalimentaire. Donc, sans être franco-français, Nestlé, Danone, Lactalis sont quand même des gros faiseurs. Ils ont toujours besoin de diètes qui, justement, vont pas être salariés de l'entreprise. J'ai vu passer une autre question sur le chat. On peut travailler pour l'industrie agroalimentaire en tant que consultant, hein, en freelance. C'est tout à fait possible. Et en général, ils sont assez friands parce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Alors que si on est salarié de l'entreprise, bien entendu, les choses sont un petit peu plus compliquées. Donc, il y a ce biais-là qui est tout à fait exploitable. Il y en a un autre, c'est de se rapprocher de la presse grand public ou de la presse spécialisée et de soumettre des articles selon sa spécialité et selon un petit peu la communication qu'on veut en faire. Et puis, troisième biais, ce sont quand même les communes. Ou les agglomérations de communes qui sont de plus en plus quand même avec cette on va dire cette tendance, cette ouverture, et tant mieux, sur la santé et la place de l'alimentation dans la santé, en faisant des journées de prévention cardiovasculaire, cancer, etc., surpoids. Et là, c'est pareil, on a complètement la place en tant que diète freelance pour trouver des ponts et écrire. Tout à fait. Voilà pour ma part mon expérience. Merci beaucoup. Je rappelle d'ailleurs que tout à l'heure, on en parlait, hein, c'est vrai que nous avons également des rédacteurs d'ouvrages. Donc Nadine est rédacteur d'ouvrage pour nous, donc quelque part ça rejoint un petit peu cela, parce que nous avons donc une maison d'édition également qui produit des ouvrages pour nos BTS en diététique. Donc une possibilité aussi, bien sûr, est d'écrire pour de la formation et de l'enseignement. Merci beaucoup. Alors une petite question, donc il y a des questions par rapport au libéral, mais comment faire un petit focus sur le libéral, on y reviendra tout à fait. Muriel, tu as donné envie à Marion, avec cette ligue. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as fait pour entrer à la ligue rapidement? Je crois que Marion a l'air très motivée par ce domaine. Oui, je vois ça. Alors honnêtement, c'est du pur hasard. En fait, j'ai été contactée directement. Alors c'est tout bête, quand ils ont créé justement Proxy League, ils ont pris l'annuaire, les pages jaunes, et ils ont pris en fait trois diètes. Moi à l'époque j'étais sur Nantes, donc Saint-Herblain, et en fait j'étais la première des pages jaunes. Alors heureusement pour moi quelque part, et en fait ils ont pris les trois premières de chaque grande ville à côté de Nantes, et j'en faisais partie. Donc j'ai eu de la chance honnêtement de ce côté-là, mais après il faut on commence par un W, ça aurait été oui c'est vrai. Mais après voilà, il faut demander, hein. Ils sont demandeurs, il faut être aussi prestataire de service pour le coup en libéral, mais voilà, c'est toujours il faut demander. Je pense que quand on ne demande pas, on n'a rien. Donc faut tenter si ça tente vraiment. On reparlera tout à l'heure effectivement recherche emploi, mais c'est vrai que souvent il suffit pas d'envoyer des CV, il faut vraiment se déplacer, aller rencontrer les gens. Et tu me diras Muriel si je me trompe, mais je pense que parfois aussi être partie prenante dans du bénévolat ou des choses comme ça, ça peut aussi aider à créer des réseaux dans ce type de milieu-là. Ah bah bien sûr, c'est oui, il ne faut pas hésiter. En plus, ils sont toujours en recherche. Oui. Ils font énormément de salons, ils font énormément de... lors des courses, par exemple, sportives, c'est tout bête, mais ils ont un stand, Ligue contre le cancer. Donc, n'hésitez pas justement à être bénévole, hein, pour ça. Des contacts, hein. Des contacts. Donc pendant vos études, hein, dans tous les cas, on vous encourage toujours aussi à être dans ce type de démarche-là. D'ailleurs, nous, souvent, à l'école, on fait une action une à deux fois par an pour une asso, hein, pour lequel on va récolter des fonds. Donc ça, je pense que dans les domaines de la santé et du social, c'est très important de pouvoir avoir ce genre d'activité pour trouver des liens, des contacts qui vous permettent ensuite de pouvoir vous spécialiser. Donc là, je pense qu'on a fait à peu près un petit peu d'oursieux. J'ai une question qui concerne l'agroalimentaire finalement du domaine animal. Est-ce qu'on a la possibilité, en tant que diète, de travailler dans l'alimentation animale?
Est-ce que c'est une spécialité ou est-ce que c'est réservé à plutôt à des chimistes ou à un autre domaine de l'agroalimentaire? Alors, je veux bien éventuellement répondre à cette question. Je n'ai pas connaissance qu'avec notre diplôme, on puisse répondre à ce type de poste. Ça reste une spécialité du cursus vétérinaire. Je pense. OK. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous souhaitiez voilà, rajouter des choses, les enseignants, par rapport aux missions avant que l'on fasse un petit focus voilà, sur le métier de diétant libéral? Alors, je rappelle quand même simplement que le BTS diététique, enfin, la diététique est un secteur qui attire énormément en ce moment. Et pourtant, c'est vrai que c'est une discipline qui est relativement jeune, hein, puisque seulement apparaît en France seulement aux alentours de 1950. Mais c'est vrai que voilà, ça a connu un gros essor justement avec aussi les habitudes de sport, de bien-être et on l'a dit tout à l'heure face à la prise en charge de certaines pathologies où ça devient vraiment un élément primordial du suivi. On l'a vu en cancéro mais en diabéto également. Donc c'est vrai que c'est un métier qui en tout cas offre quand même de nombreux débouchés, même si c'est une, on peut qualifier peut-être ça de niche, les professeurs, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. En tout cas, c'est vrai que le nombre de postes tend à se développer de plus en plus. Hein, on voit que les diététiciennes sont présentes aussi dans l'éducation thérapeutique, dans la sensibilisation, la formation des plus jeunes, le domaine du sport. Donc, c'est vrai que c'est un métier qui tend vraiment à se développer. Il ne faut pas penser uniquement hôpitaux et milieux hospitaliers ou restauration collective. Il y a vraiment plein de domaines dans lesquels vous allez pouvoir exercer en tout cas votre métier avec passion. Donc, ce qui m'aurait intéressé maintenant, ce serait que l'on fasse peut-être un petit zoom sur le métier de diététicien libéral et toutes vous l'êtes, hein, ou l'avez été, professionnel en libéral. Alors, je vais peut-être vous poser les quelques questions qu'on me pose habituellement, que nous ont posées également nos invités. Et ensuite, si chacune veut bien parler de son expérience, alors, premièrement, moi, j'avais comme question, voilà, pour quelles raisons est-ce que les patients consultent le plus le profil type, en fait, du patient qui va en cabinet libéral? Est-ce que c'est pour une perte de poids, une intolérance à l'air? Je prends un petit peu la parole. Alors, moi, personnellement, au niveau des patients que j'ai, donc, alors, il y a les personnes qui veulent perdre du poids, effectivement, bon, ça, c'est le grand classique, mais on a aussi, enfin, moi, j'ai souvent des personnes qui me sont envoyées par des médecins ou des spécialistes, comme des gastro-entérologues ou ce genre de choses, donc, oui. Par exemple, un patient qui vient de faire un infarctus, donc du coup, on lui a donné des conseils, mais il veut être suivi justement après après sa sortie d'hôpital. Donc voilà. Donc souvent, quand même, c'est voilà, sur prescription médicale. Hein, donc Sylvie, ça rejoint ce que tu disais malgré tout. Voilà. Donc c'est vrai qu'après, c'est assez varié en fait. Hein, on peut avoir un petit peu de tout. Moi, j'ai aussi des enfants, des enfants, des adolescents. Souvent, c'est parce que voilà. Alors là, c'est plus par rapport aux parents qui s'inquiètent de voir leur enfant d'un coup prendre du poids parce que ben voilà, il faut pas assez de sport ou parce qu'ils mangent forcément des aliments. Voilà, et Muriel le disait tout à l'heure. Hein, voilà, les sportifs, c'est pareil, quand ils sont jeunes, et ben il y a des choses qu'ils découvrent. Et puis bon, c'est pas spécialement, ça rentre pas trop dans l'équilibre alimentaire. Et bon, voilà. Donc effectivement, ça peut être assez varié au niveau du libéral. Voilà, après, bon, moi, c'est vrai que je vais chez les patients. Donc, l'avantage d'aller chez les patients, c'est que je fais un petit tour des placards et du réfrigérateur. Ah, d'accord. Tu fais l'inspecteur. Attention, non, c'est pas tout à fait ça. C'est surtout pour éduquer le patient, enfin, du moins, qu'on va avoir chez lui. Donc, et c'est d'ailleurs une demande. Hein, quand moi, on m'appelle, on me pose souvent l'action en disant oui, on regardera quand même si ce que j'achète, ça va bien. Si, bien voilà. Donc, c'est vrai que l'avantage, c'est ça. Alors, bon. Il y en a qui ouvrent les placards volontairement, puis il y en a qui ne m'en parlent pas. Hein, je vous dis franchement, il y a les deux cas. Mais effectivement, souvent, il y a des personnes qui, effectivement, voilà, ont envie de décrypter un peu aussi les étiquettes, de savoir qu'est-ce qu'ils achètent, si c'est bien, si ce n'est pas bien, etc. Donc, je fais aussi pas mal de choses comme ça avec eux. Ça m'arrive aussi de partir faire les courses avec les patients. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place, mais c'est à part hein, de la consultation. Pour leur montrer comment bien acheter, en fait. Voilà. Donc, ça rejoint le décryptage des étiquettes aussi. Donc, ça, c'est hors consultation, hein, forcément. Voilà. Après, sinon, les consultations pour
pour faire rapidement. Donc, moi, les premières consultations, c'est entre une heure et demie chez le patient. Et sinon, les suivantes, c'est entre, à peu près une trentaine de minutes, 30 à 40 minutes. J'allais en venir tout à l'heure justement à la consultation. Sinon, concernant les raisons de consultation des patients, vous souhaitez rajouter quelque chose, Marielle ou Sylvie, par rapport au profil de patients que vous suivez? Alors, c'est principalement surpoids. Oui. Et alors, on a des périodes après Noël, par exemple, oui. Les bonnes résolutions. Oui. On va avoir justement avant l'été pour mettre le maillot de bain. Il y a Pâques aussi. Bon, il y a toujours une raison hein, de bien manger aussi, on va le dire ça comme ça. Donc, voilà, on a quand même des périodes plus pleines que d'autres par rapport aux clients, majoritairement donc des patients qui sont en surpoids. Mais on a de plus en plus, je trouve, de clients, enfin de clients ou patients d'ailleurs, qui ont des pathologies. Alors, diabète aussi, de plus en plus, notamment chez des jeunes. Oui. Donc, trentaine qui commence à avoir du diabète, hein. Donc là on les prend en charge. Ce qui vient aussi de plus en plus, c'est moins tabou quand même, c'est les TCA, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, les troubles du comportement alimentaire. Oui. C'est un petit peu moins tabou, attention, je dis pas que voilà, il y a une grosse évolution de ce côté-là, mais les patients viennent plus nous voir en tout cas, mais ils sont souvent envoyés par le médecin bien évidemment. D'accord. Et voilà. Donc voilà, on ne suit pas forcément ces patients-là qu'en milieu hospitalier. Non, aussi suivi justement à la sortie de l'hôpital, oui. Faire une poursuite de consultation, de traitement après. Exactement. D'accord. Sylvie, des choses à rajouter par rapport à ta patientèle? Alors, pour ma part, vous l'avez compris, j'ai un petit peu j'ai choisi d'avoir un biais dans mes consultations. En pédiatrie. Donc, effectivement, moi, ça va de l'ancien prématuré qui a des besoins spécifiques et qui a du mal à récupérer une courbe de croissance harmonieuse. Donc, ensuite, j'ai pas mal de petits qui ont des troubles de l'oralité, c'est-à-dire des enfants qui n'ont pas un développement et des acquisitions pour ouvrir leur alimentation, mais aussi des acquisitions tout court, hein, cognitives ou psychocomportementales. Donc ça, c'est aussi évidemment important de pouvoir accompagner et aider tant l'enfant, mais aussi les parents, bien entendu, mais aussi le médecin. Parce que ça, c'est peut-être une chose qu'on n'a pas encore dite, sur laquelle je voudrais insister. En fait, on est vraiment les experts, les spécialistes de l'alimentation, de la santé, via l'alimentation, pardon. Même un pédiatre, pour ma part, hein, qui est quand même le médecin de référence de l'enfant, eh bien, il n'a pas nos connaissances techniques sur les aliments et sur comment faire en sorte de, par le jeu des équivalences, par exemple, d'avoir une alimentation qui corresponde aux besoins. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que parfois, on pense que, on n'a pas eu accès à des études de médecine pour tout un tas de raisons. Alors, on se rabat, en quelque sorte, sur du paramédical et, par exemple, de la diététique. Non, moi, je milite beaucoup pour ça. Je ne sais pas, Nadine et Muriel, ce qu'elles en penseront, mais on n'est pas des sous-médecins. Je ne sais pas si c'est un terme élogieux, mais c'était pour vous faire comprendre qu'on a vraiment notre place et qu'on est vraiment dans l'aide, y compris du corps médical. Hein, souvent, moi, c'est le retour que j'en ai. Après, moi, dans mes consultations, j'ai travaillé l'association des paralysés de France en pédiatrie. Et du coup, j'ai pas mal d'enfants handicapés, donc avec des traits autistiques, avec des maladies métaboliques, dégénératives, etc. Donc, vous voyez des choses très pointues techniquement, mais qui sont, encore une fois, outre l'aspect technique, intéressantes parce que c'est des belles rencontres humaines avec les familles. Et ça aussi, je pense que c'est une caractéristique de notre métier à toutes les fois, c'est que on n'oublie jamais que la finalité, c'est quoi ? Eh ben, c'est d'apporter du mieux-être, du confort à un consommateur, à un patient. Donc ça, moi, je le mettrai aussi en avant. Merci, oui, Sylvie, c'est vrai que j'en ai pas parlé au départ, on parle beaucoup de scientifiques, etc., mais c'est vrai qu'on parlera des qualités hein, tout à l'heure, mais c'est vrai que l'empathie, patience, etc., font vraiment partie des caractéristiques qu'il faut effectivement posséder
pour être heureux dans ce métier et faire un travail qui soit efficace. Alors, pour en revenir, vous savez, aux patients qui sont envoyés par les médecins, lorsque vous avez des patients qui sont envoyés par les médecins, est-ce que vous faites un retour à ce médecin-là? Et si oui, comment est-ce que ça se passe? Alors moi, personnellement, quand je fais un retour, ou bien j'envoie un courrier ou un mail, bon, souvent c'est le mail quand même, hein, le oui. plus pratique, hein, voilà, où le patient, certains me disent, est-ce que vous pouvez me donner un document? Donc, je donne la même chose que j'envoie par mail, je le donne en papier au patient qui verra après son médecin et pourra lui donner si jamais. Mais bon, généralement, il le reçoit avant par mail. D'accord. Donc, tu envoies également par mail pour Muriel et Sylvie. C'est pareil, vous faites des retours systématiques quand le patient vous est envoyé par un médecin? Oui, c'est ça, on a des comptes rendus à faire avec ce qu'on a mis en place, quand est-ce qu'on le revoit, oui, et quels sont les objectifs à atteindre pour la prochaine fois. D'accord. Et là encore, je pense que c'est un moyen de valoriser justement notre acte diététique, hein, que de faire ce lien. Encore une fois, on travaille au service d'un patient, d'une famille, d'un consommateur, mais pour le professionnel de santé qui, quelque part, nous fait confiance aussi, c'est bien de savoir où est-ce qu'on en est avec son patient pour qu'il puisse peut-être aussi, revalider, recontrôler à distance quand il le revoit, le remotiver à venir nous voir. Donc, voilà, pour le suivi, c'est certainement indispensable, oui. D'accord. Et vos relations sont plutôt bonnes. On me demande, est-ce que le métier est-il bien pris au sérieux par le milieu médical? Franchement, de plus en plus. C'est agréable. Vraiment, oui, oui. Il y a une évolution de ce côté-là. On est oui, plus, je confirme. Je confirme. Voilà, les petits diététiciens ou diététiciennes. Non, non, on est bien reconnus quand même maintenant, je trouve. Oui, c'est beaucoup mieux. Alors après, il y a toujours des exceptions quand même. Hein, mais alors les exceptions, souvent, c'est des médecins finalement qui ne connaissent pas bien le métier de diététicien, hein, en fait. Hein, voilà, il faut le dire. Alors, je pense aussi qu'il y a souvent, moi, quand on me demande ce que c'est que le métier de diététicienne et en quoi ça consiste, je dis souvent que c'est difficile à décrire. Bah, vous l'avez entendu, c'est tellement multifacette. Oui. C'est dépendant de la qualité de chacune d'entre nous aussi et de ce qu'on y met derrière. Mais il est certain que chacune, finalement, fait sa diététique, en quelque sorte. Et du coup, c'est le savoir-être de la diététicienne vis-à-vis du médecin. Hein. Je ne sais pas, Nadine, si tu as connu ça. Moi, quand j'ai débuté à l'hôpital, c'est vrai que la diététicienne, elle était lors de la visite dans le service au pied du lit du malade, pratiquement celle qui était dans le couloir, qui était là pour éventuellement cocher les cases entre la purée et les brocolis. Le prochain repas et puis pas grand chose d'autre on est heureusement plus du tout là-dedans et là maintenant il y a vraiment je pense une complémentarité de connaissances, de compétences que les médecins encore une fois apprécient vraiment dans la grande majorité des cas. Juste pour finir, moi j'ai un exemple là sur Rennes où par exemple l'association des pédiatres libéraux me sollicite pour faire des topos lors de leur soirée de médecins quoi. Et je suppose que Muriel, Nadine auraient des exemples aussi il faut aussi qu'on soit nous dans l'envie comme tout à l'heure Muriel parlait des associations mais je pense que c'est pareil vis-à-vis du milieu médical, il faut être dans l'envie de se faire connaître, reconnaître en tant que professionnel de santé. Bien sûr, oui, c'est vrai que la formation d'un médecin n'est pas… Alors, ils ont des notions, bien évidemment, de nutrition, d'alimentation, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout la spécialité que vous avez, ni le niveau de connaissances que vous avez. Donc, et en plus, avec toutes les poursuites d'études, compléments d'information que vous avez, il y a tout à fait moyen, je pense, là, que cette profession évolue très bien, hein, justement, dans le domaine, aux côtés de toutes ces formats, de tous ces métiers paramédicaux ou médicaux. Et donc justement par rapport aux consultations que vous faites, j'ai des questions là assez régulièrement sur la tarification. Alors il y a toujours une question, une réflexion donc en suspens par rapport au remboursement. Hein, pour le moment, je sais que ça n'est pas d'actualité. Sauf que certaines mutuelles remboursent quand même les consultations. Pour le moment, la sécurité sociale de plus en plus. Hein. De plus en plus de mutuelles quand même prennent en charge des consultations. Hein, oui.
parfois même prennent en charge une dizaine de consultations. Alors, j'en ai eu le cas d'une fois, je ne sais plus le nom de la mutuelle, là, je vous avoue, mais j'ai été très surprise, agréablement d'ailleurs, quand la patiente m'a dit ça, parce que généralement, c'est une voire deux par an ou ce genre de choses. Mais c'est de plus en plus. Oui, la plupart le font, souvent une ou deux. Après, c'est vrai que 10 séances, c'est bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, le tarif d'une consultation? Ça dépend de quoi, finalement, de la pathologie, du non, lieu où on exerce? Ça dépend de quoi? Non, en fait, le tarif des consultations, moi, je sais que je fais 50 euros pour la première. Donc, c'est la première consultation puisqu'on passe beaucoup de temps, en fait. Hein. Moi, je passe jusqu'à 1 h 30. Des fois, ça peut même déborder hein, en fonction si le patient il est bavard ou pas. Oui. C'est pas facile. Et ensuite, les consultations de suivi, je suis en moyenne à 40 euros. Enfin, j'ai augmenté à 40 euros. Alors après, c'est vrai que bon, moi, je me déplace, donc j'ai tout inclus dedans. Bon. Et oui. Après, par contre, je fais des forfaits, c'est-à-dire que je peux faire un forfait avec une la première consultation et deux de suivi. Donc, du coup, ça revient moins cher, par exemple. Voilà. Après, il y a même les consultations de couple. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Enfin, on peut… Voilà. Le tarif, en tout cas, des consultations, Nadine, n'est pas réglementé. Ce n'est pas réglementé maintenant. Bon, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut être à peu près pareil que tout le monde oui. quand même aussi par rapport à son secteur quand même. Il faut, parce que si vous êtes 20 euros plus cher que tout le monde, peut-être que vous ne verrez pas grand monde quand même. Hein. Il faut être raisonnable tout de même. D'accord. Et donc là, le fait que ça soit remboursé par les mutuelles, même si c'est une consultation prescrite par un médecin, la Sécurité sociale n'en tient pas compte. Non. D'accord. Non, non, pas du tout. On parlera tout à l'heure au niveau des évolutions. On verra que ce métier voilà, va être dans son évolution, dans son devenir, dans ce qui va pouvoir se passer dans les années à venir. Ça va être très en lien avec les pouvoirs publics, les décisions voilà, politiques hein, vis-à-vis de la profession. Mais en tout cas, voilà, j'ai pu lire moi, au niveau des associations et des syndicats de diététiciennes qu'il y a des choses quand même qui sont en route pour évoluer. Oui, il y a quand même… On a certainement des années. Pardon, oui, Nadine, dis-moi. Oui. Oui, effectivement. Bon, je sais que moi, je suis membre de l'AFDN, donc c'est la fédération connue en France, des diététiciens et nutritionnistes. Du coup, bon, c'est vrai qu'ils font des courriers régulièrement. Enfin, voilà, il y a quand même des choses pour faire bouger. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que, par exemple, moi, je suis membre d'OncoDiète sur Toulouse. Et donc, si j'ai des patients qui viennent de la part d'OncoDiète, hein, donc c'est des personnes qui sortent de la cancéropole, donc je fais un tarif qui est inférieur puisque j'ai signé donc, un accord avec eux pour m'engager à faire un tarif plus bas. Voilà, donc, pour que ces personnes-là puissent bah, du coup faire un suivi chez le diététicien, voilà, qui soit disons moins cher, parce que du coup, bon, ils vont peut-être plus souvent, ils viennent plus souvent nous voir, par exemple. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Après, il y a plein de voilà, plein d'associations, plein de choses. Donc je laisse Sylvie et Muriel, j'imagine qu'elles ont aussi des exemples là-dessus. C'est un petit peu du coup comme toi au niveau des tarifs. Je suis à 45 le premier bilan d'une heure, 1 h 30. Et puis à peu près 35 euros le bilan. Donc en fait, ça se rejoint. Hein. Alors je suis comme toi, du coup, j'ai plus de cabinet. C'est plutôt à domicile maintenant. Donc c'est beaucoup plus sympathique aussi, je trouve, par rapport aux clients. Donc, en fait, tout est inclus dedans aussi, moi, le côté trajet et le côté consultation. Et avec la situation Covid, justement, ou même peut-être, est-ce que les consultations en visio se développent dans votre corps de métier? Oui, en fait, je suis quasiment que ça maintenant. Là, pour l'instant, à part pour les patientes de la Ligue contre le cancer, sinon le reste, je fais quasiment qu'en visio pour le moment. D'accord. Et à la demande du patient qui semble satisfait ou c'est un petit peu la situation qui l'impose? Alors, pour l'instant, honnêtement, le client est satisfait. Lui, ça lui permet de mieux gérer aussi ses sorties, ses courses et tout ça. Ouais. Donc, pour l'instant, j'ai pas de retour négatif. Après, il y a des gens qui ne souhaitent pas hein, les consultations en visio, hein, parce que c'est pas forcément évident non plus. Il faut être à l'aise avec le matériel, etc. Mais ça se développe quand même de plus en plus et les patients apprécient quand même. D'accord. Après, c'est quand le face-à-face est quand même beaucoup mieux. Il ne faut pas se le cacher quand même. Ouais. Mais voilà, on peut continuer en tout cas notre activité bah, avec la visio. Okay. Alors, moi, je tiens quand même à préciser que, du coup, j'ai suspendu tous les nouveaux patients, en fait. Moi, j'ai pas pris de nouveaux patients, du coup, puisque j'en avais quand même déjà pas mal à suivre. Et par contre, hors pendant le confinement, donc moi, je vais chez les patients. Mais par contre, j'ai toute la panoplie du masque FFP2, les gels hydroalcooliques, les lingettes, je désinfecte tout en arrivant. Enfin, bon, voilà. Donc, quand ils me voient arriver, ils le savent. Bah, après, ils ont l'habitude, hein, j'avais expliqué avant d'y aller. Donc, après, j'avais proposé la visio, mais ils ont préféré que j'aille les voir, puisque bon,
Voilà. Mais bon, pour les nouveaux patients, c'est vrai que j'avais proposé la visio et bon, c'est, voilà, les gens sont un peu moins. Voilà. Voilà. Alors, ça dépend de la région, mais moi, je sais que ça les motive moins. Voilà. C'est l'échange quand même primordial. Alors, lorsque vous êtes en cabinet, les unes et les autres, est-ce que vous avez besoin d'un matériel particulier? Alors, moi, je pense tout de suite à une balance. Je sais qu'il existe également des pinces pour mesurer des plis cutanés. Est-ce qu'il y a un matériel particulier à acquérir quand on veut se monter en libéral? Alors, ça dépend. Honnêtement, alors peut-être l'impédance mètre, mais encore des fois, c'est pas forcément bien reconnu. En fait, moi, j'ai plus de matériel. Je pèse pas forcément mes patients. Oui. Que ça devient une obsession pour certains patients. J'arrête en fait tout ça. Je prends éventuellement des mensurations avec la taille, les cuisses, les jambes, etc. Ouais. Et je trouve que le poids, c'est pas forcément. Je trouve que c'est plus un objectif de. Bah, pour moi en tout cas, hein, je n'utilise plus la balance. Je trouve que c'est trop restrictif. Ça met le patient dans une certaine bulle, vraiment, où il faut qu'il perde absolument du poids. Je trouve que la balance, elle n'a pas une bonne image. Donc, ouais. Moi, je l'enlève. Après, voilà. Psychologiquement, créer plutôt une barrière qu'autre chose. Ouais. Si je prends mes judokas, ils sont forcément obligés de se peser. Donc, ouais. Je n'ai pas le choix. Mais quand je vois ce qui se passe avec les pesées, j'ai pris 2 kilos, bah, je vais arrêter de boire et je vais arrêter de manger. Ça me fait un petit peu peur, en fait. Moi, j'ai cette image-là un petit peu. Donc, j'avoue qu'avec mes patients, j'utilise plus rien. Juste le bien-être corporel, voir dans les vêtements s'ils sont un petit peu moins serrés, les mensurations qu'on peut éventuellement prendre de temps en temps. Mais voilà, au niveau matériel, honnêtement, ordinateur, papier, crayon, ouais. et puis voilà, quoi, j'ai envie de dire. D'accord. Après, voilà, ça, c'est que mon avis personnel. Sylvie et Nadine, vous avez du matériel particulier pour vos suivis? Alors, encore une fois, sûrement dû à la typicité, moi, de mes petits patients, mais je fais beaucoup d'ateliers pédagogiques autour de l'alimentation. Donc, oui, investir dans une dinette, ça peut être pas mal, par exemple, si vous exercez en pédiatrie, pour leur faire repérer les familles d'aliments, par exemple. J'ai conçu, bah, justement, avec mes étudiants de BTS diététique première année, là, cette année, un jeu de loi. Pour l'équilibre alimentaire et du coup voilà, je vous en donne la primeur pour les invités parce que bah voilà, c'est une belle réalisation qu'ils ont faite qui leur sert eux évidemment à asseoir leurs connaissances et puis que j'ai promis qu'ils viendraient tester à mon cabinet avec un groupe en éducation thérapeutique de jeunes patients donc voilà, vous voyez, on peut trouver des tas de choses à mettre dans sa boîte à outils de diététicienne, en fait. Hein. Oui, construire des outils qui peuvent être motivants, ouais. Qui peuvent être des repères aussi pour les plus jeunes, je pense. Tiens, tel aliment, je peux manger en coloré plutôt en vin. J'imagine qu'il peut y avoir des petites choses très sympas on était à mettre en place. Et c'est souvent, je sais, ce que font aussi nos étudiants lorsqu'ils sont en stage. On va leur demander de mettre en place des outils. Bien sûr. Alors, j'ai vu sur le chat qu'il y avait une question sur les logiciels nécessaires d'acquérir. Oui. Pour ma part, pareil. Je ne sais pas, Nadine et Muriel, ce qu'elles ont fait. En fait, je me suis construit mon propre logiciel parce qu'il faut quand même savoir qu'on va devenir un tout petit peu gestionnaire et peut-être un petit peu trop pragmatique, mais on évoquait le prix des consultations. C'est vrai qu'il faut quand même avoir dans l'idée que accompagner, aider, donner beaucoup de son temps, c'est super, mais qu'il arrive à un moment où il y a quand même la notion de pouvoir vivre décemment d'une activité. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont incontournables, mais il y a des choses qu'on peut aussi construire soi-même ou aller chercher sur des sites ou des blogs qui sont très bien faits de sociétés françaises, par exemple, d'oncologie, de gastro-entérologie, de pédiatrie. Vous avez des supports qui sont vraiment bien faits, donc on peut tout à fait aller s'en servir. Et puis, c'est vrai que ces logiciels de nutrition, ils sont tout de suite plusieurs milliers d'euros par an. Et finalement, on peut encore une fois très bien se le construire, quoi. Donc, il n'y a pas de nécessité absolue quand on s'installe d'aller investir là-dedans, franchement. D'accord.
Merci beaucoup, Sylvie. Alors, pour conclure un petit peu sur le thème du libéral, justement aborder un petit peu la rémunération, parce que c'est la question. Alors, on voit que vous faites du mixte, hein, vous avez du libéral, des activités de formatrice, et aussi après d'autres engagements ailleurs. Mais si je prends un cabinet libéral qui marche plutôt bien, ou si je veux essayer de comparer un petit peu les tarifs, moi, ce sont les notions que j'ai trouvées en faisant des recherches, en préparant cette table ronde. Donc, moi, et vous me direz si vous en êtes d'accord, si ça me semble cohérent. Après, j'ai travaillé bien sûr sur des notions qui étaient fiables, normalement à partir d'observatoires des métiers. Mais c'est vrai que le salaire moyen, par exemple, d'un diète qui travaille dans le privé, ça va être un petit peu plus de 2000 euros net. Une personne qui travaille plutôt en milieu hospitalier, alors là, c'est vrai qu'il y a différents grades en fonction, voilà, si c'est un cadre de santé, classe supérieure, classe normale, mais c'est vrai que ça peut aller de 2000 à 3000 euros. Et enfin, en cabinet libéral, bien sûr, je vois bien que ça va dépendre complètement de la clientèle qu'il y a. Est-ce que vous pourriez me donner un ordre d'idée d'un cabinet qui marche bien, avec une diète qui ne fait que du libéral? Comment est-ce que ça peut se passer en termes de ressources et de niveau de rémunération pour vous, selon vous? Alors, je vais commencer et puis laisser ensuite Nadine et Muriel compléter. Ouais. Si on considère que l'on fait 6 consultations par jour, sur 5 jours, une moyenne de 50 euros que mes collègues évoquaient, on est sur à l'année entre 45 et 50 000 euros une fois qu'on a déduit les charges. Donc, c'est quand même intéressant. Mais après, bon, voilà, hein, c'est tellement variable selon le temps qu'on souhaite y accorder, selon si on vient de s'installer ou si effectivement on est déjà avec une certaine patientèle. Voilà, hein, mais ça donne un ordre d'idée pour ma part. Voilà, oui, c'est vrai que c'était, moi, ce que j'avais trouvé aussi, c'est que le cabinet en libéral est plus rémunérateur, hein, mais bien sûr que ça dépendait de la clientèle. C'est aussi votre avis, Sylvie, et Nadine et Muriel? C'est à peu près ça. Après, ouais. J'ai une question dans le chat. C'est vrai qu'il faut quand même, je dirais, 2-3 ans avant de se faire une clientèle fixe. Hein, donc, ça demande du temps. Mmh, c'est pour ça aussi qu'on a plusieurs activités. C'est que bah, le temps d'avoir ce qu'il faut comme salaire, il faut quand même suivre derrière. Donc, 2-3 ans quand même avant d'avoir quelque chose de fixe. Bien sûr. Oui, je suis d'accord avec Muriel. Et de toute façon, là, j'ai vu une question, je ne sais plus, bon, bref. Au niveau de, quand on s'installe en libéral, qu'on vient d'avoir le diplôme, quoi qu'il en soit, on va avoir des patients, c'est sûr, au démarrage. Bon, ça dépend après si vous êtes toute seule dans un cabinet ou s'il y a d'autres professionnels de santé à côté. Ouais. Hein, dans ce cas-là, si c'est une maison de santé, forcément, ça va amener plus de monde. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le diététicien doit se former quand même tout au long de sa vie. Donc, c'est-à-dire que même si vous êtes un libéral, ce n'est pas parce que vous avez le diplôme que ça y est, tout est joué, tout va bien. Il faut quand même participer à des ateliers avec, pourquoi pas, des laboratoires qui font des compléments alimentaires ou autre chose, peu importe. Quand vous êtes, par exemple, quand je parlais d'oncodiète, donc là, on a des formations. Vous allez aussi pour l'obésité pédiatrique, le REPOP. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça, donc sur toute la France, où effectivement, on peut approfondir aussi les connaissances par la même occasion, mais surtout se faire un réseau avec d'autres personnes, que ce soit diététiciens, que ce soit personnes, que ce soit d'autres thérapeutes, même pourquoi pas ça ne vient pas. Les paramédicaux, quoi, psychomotriciens, même spécialisés, etc. Donc tout ça. Voilà, c'est important de ne pas rester dans son coin, en fait. Ce n'est pas parce qu'on a le diplôme et qu'on est installé que ça y est, tout est joué. Donc, d'ailleurs, dans la charte du diététicien, on le dit bien, voilà, il faut développer ses connaissances tout au long de sa carrière. Je veux dire, en plus, ça évolue, mais en permanence. Donc, c'est important de se tenir informé. C'est vraiment même chaque année, même à chaque mois, mais enfin, voilà, il y a quand même, ça évolue énormément. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une finalité d'avoir le BTS diététique aussi. Même si on ne fait pas une formation de diplôme derrière, il faut rester quand même informé et prendre toutes les petites formations qu'on peut avoir. Et souvent,
quand on s'installe libéral au démarrage, on commence aussi par faire des remplacements à l'hôpital aussi. Moi, j'ai commencé à faire un remplacement une fois de temps en temps, puis au final, maintenant, je suis, je dirais, la personne qui remplace attitrée. Voilà, parce que ça fait 3 ans que je remplace. Et puis au début, c'était que l'hôpital de jour, et puis maintenant, c'est tous les services. Voilà, donc ça aussi, voilà, petit à petit aussi, les personnes ont confiance parce qu'elles voient que voilà, donc ça s'acquiert tout ça. Ce n'est pas du jour au lendemain, hein, quand même. Hein, voilà. Donc, c'est vrai que les méthodes changent, mais je pense que aussi en termes de connaissances, ne serait-ce scientifiques que sur les compléments alimentaires, sur les aliments eux-mêmes, il y a beaucoup de choses que l'on connaît de mieux en mieux, j'imagine, et avec des avancées scientifiques aussi. Effectivement, il faut se tenir au courant, parce qu'on voit que les patients aussi eux-mêmes recherchent beaucoup d'informations. Et il ne s'agit pas d'en connaître moins que son patient, j'imagine, et surtout d'être au fait pour pouvoir l'accompagner. Et si je peux rajouter aussi quelque chose, la diététique, ça évolue vraiment en permanence. La diète, c'est une image qui n'est vraiment pas bien vue. C'est vraiment la restriction, c'est manger des carottes et puis du pain sec et de l'eau. Faut vraiment arrêter avec ça. Le diététique, c'est vraiment pas de la restriction. On est en fait, maintenant, la diététique évolue sur le côté manger en pleine conscience, manger des aliments... qui nous font plaisir, on aborde des quantités éventuellement, mais ça évolue, on n'est plus du tout dans la restriction, il faut vraiment que cette image-là nous parte vraiment de la diététique, il faut vraiment avoir une ouverture d'esprit par rapport à ça. Et si on ne se forme pas régulièrement, comme a dit Nadine, on va vite... être dépassé par les événements, les clients en connaissent parfois 2 fois plus que vous en termes de calories, hein, ils savent combien va faire le yaourt nature en termes de calories, et nous, mince, on sait combien il y a de protéines, lipides, glucides, mais niveau cal, des fois, ça nous échappe, on ne peut pas non plus tout retenir. Donc, il faut quand même être au courant de plein de choses, notamment aussi chez les jeunes, ce sont les applications qu'on peut retrouver sur téléphone, ça aussi, il faut être un petit peu opérationnel de ce côté-là, savoir un petit peu comment ça fonctionne pour vraiment les aider au mieux, hein, et puis leur dire des fois quand c'est pas bien, hein, tout simplement. Bien sûr. Mais il faut vraiment s'ouvrir l'esprit, ne pas rester que dans le BTS, parce que le BTS c'est que la base quelque part. Alors j'ai lu une question, est-ce que ça paraît pas un peu arriéré ce qu'on fait en termes de ration? Je suis pas d'accord avec ça. On a la base, mais avant de faire autre chose, avant de se lancer dans d'autres domaines, il faut la base. On parle de ration, alors là c'est un petit peu plus spécifique pour les premières années, parce que j'ai vu qu'il y en avait. Moi j'en fais toujours des rations pour les sportifs de haut niveau, parce que je suis obligée de calculer le taux de protéines vraiment au gramme près pour certains, les macronutriments, les micronutriments, pour qu'ils puissent performer au maximum. Donc je trouve effectivement qu'il y a des choses qui ne reflètent pas forcément le métier, effectivement, mais il nous faut cette base, on est obligé. Et une fois que vous aurez cette base, et bien après vous pourrez évoluer vers plein d'autres domaines et vous ferez votre choix. Donc non, il n'y a pas tout à jeter quand même dans le BTS diététique. Heureusement. Oui, question que j'allais poser, effectivement, Muriel, est-ce que ce métier, enfin cette formation principale, est-ce qu'elle répond aux attentes du métier, du terrain? Donc alors, il est nécessaire, oui. En tout cas. C'est plus que nécessaire, hein, de toute manière. Et puis, les stages sont là pour ça aussi, hein. On fait des stages. Nous, c'est très intéressant aussi d'avoir des retours d'étudiants pour mettre nos cours à jour, tout simplement, parce qu'on n'est pas forcément dans tous les domaines. Récupérer en lisant des mémoires, des choses comme ça. Nous, on arrive comme ça à mettre nos cours à jour. On fait appel à des professionnels à l'hôpital, justement, pour mettre nos cours à jour, voir les nouvelles données. On a plein aussi de sites internet sur lesquels on peut se référencer pour faire nos cours. Mais on a besoin de tout ça. Hein, c'est vraiment, vraiment le BTS. Alors, on essaie en tant que formateur quand même de se calquer au métier de diététicien, forcément. Puis en plus, on est dedans. Donc, en général, on apporte notre expérience, etc. Mais ce n'est pas un BTS qui reste plan-plan, j'ai envie de dire. Hein. Il faut vraiment que ça puisse... faut vraiment que ce soit une formation vivante. Et en général, c'est une formation vivante si les intervenants, effectivement, font part de leur expérience et appellent d'autres professionnels. Même dans la formation, il faut faire appel à d'autres professionnels, des médecins, des ostéos, des kinés, tout ça. Après, si tu permets, Corinne, je voudrais juste te compléter sur 2 petits points.
le premier point par rapport à l'activité libérale. Oui. C'est vrai que mes deux collègues disaient que bon, il fallait un certain temps, il faut être visible en fait hein, par toutes les cibles de l'environnement alimentaire. Donc ça, c'est très important de l'avoir présent à l'esprit quand on se lance et puis pour durer aussi la visibilité. Donc la visibilité, elle passe effectivement par tous les réseaux qu'on a évoqués. Et puis aussi par la maîtrise de tout ce qui va être outils, on va dire, modernes, liés au blog, au site, etc. Et ne pas avoir peur peut-être quand on se lance de s'entourer de spécialistes, de webmasters spécialisés. Là, par contre, je pense que ça peut être un investissement éventuel intéressant, plus que d'acheter un logiciel de nutrition. Donc ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point, selon moi, mon expérience, je pense que pour ma part, je n'aimerais pas faire que du libéral. Parce qu'on a tous quand même une typicité de patientèle au bout d'un certain temps. Et du coup, à la fois, c'est très, très intéressant parce qu'on est très pointu et qu'on peut vraiment normalement répondre au mieux aux demandes et aux besoins. Mais d'un autre côté, ce n'est pas comme ça qu'on garde une ouverture d'esprit dont parlait Muriel. Alors que le fait justement dans ce métier de pouvoir avoir différents types d'activités parallèles et complémentaires. Moi, je pense que c'est vraiment super chouette. On en est trois exemples là aujourd'hui autour de vous avec finalement une multifacette. Et c'est vraiment moi ce que je conseillerais aux jeunes que de concevoir ce métier comme en se disant pendant un temps, peut-être je vais faire plus ça. Et puis demain, ça sera peut-être plus autre chose. Ben, justement, c'est l'agilité intellectuelle nécessaire, je pense, à une vie professionnelle aussi. Oui, ou d'allier effectivement avoir un cabinet en libéral, mais pourquoi pas organiser des ateliers avec des familles pour cuisiner, etc. C'est vrai que et puis je pense que quand on est en libéral, le côté un petit peu d'être seul, de pas vraiment échanger après sur ses pratiques, peut devenir un petit peu compliqué. Donc cette association, comme on disait tout à l'heure, en clinique avec plusieurs praticiens peut être bien, ou alors voilà aussi organiser des choses un petit peu mixtes pour pouvoir échanger régulièrement sur son métier et sa façon de prendre en charge, bien sûr. Très bien. Ce que je vous propose, merci beaucoup en tout cas Sylvie pour ce que tu as soulevé, parce que c'est vrai que c'est un point important. Alors, c'est vrai qu'avant de faire un petit point, je vais faire un petit point, vous donner quelques chiffres sur où en est le secteur actuellement, le nombre de diètes, quels sont les pourcentages de personnes en libéral. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est qu'Anaïs vous envoie donc un petit sondage pour que nous, on puisse savoir si vous êtes plutôt déjà des étudiants alors qui allaient entrer en formation en septembre, des personnes qui sont déjà étudiants ou certains qui ont des projets. C'est vrai que pour nous, en tout cas, ce serait très sympa que vous puissiez répondre. Il y a juste un clic à faire pour que vous puissiez nous dire quel est votre profil. Et je vous remercie par avance de répondre. Alors, je vais conclure, moi, sur ce secteur diététique, donc en expansion. C'est vrai qu'on a aussi parfois quand même des retours. Oui, c'est vrai que c'est dur de trouver un stage. Dur parfois de trouver sa première implantation. Ce que je tiens à souligner quand même, c'est que bien souvent, on a beaucoup quand même de nos apprenants qui vont commencer leur premier pas en milieu hospitalier, en tout cas, à l'endroit où ils ont fait leur stage. Donc, c'est vrai que les 20 semaines de stage, alors je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour développer sur les stages, parce que j'avais beaucoup de questions. Là, encore une fois, samedi, à partir de 9h30, je serai accompagnée aussi de professeurs, où là, on va parler vraiment BTS diète. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Et là, je pourrai entrer bien davantage dans le détail du stage. En tout cas, toute l'importance, en dehors du fait que le stage permet d'appliquer vraiment les connaissances et de voir des professionnels en œuvre, en tout cas, c'est aussi le premier réseau que vous construisez. Donc, ça, c'est très important. Sinon, pour vous donner un petit état des lieux chiffré, donc c'est vrai que les différents rapports de la direction des directions de recherche, c'est plutôt un état des lieux qui est très positif du métier. Alors, les données que j'ai datent de 2018, mais je sais que ça a continué à aller dans ce sens-là. Donc, c'est vrai qu'il y avait en 2018 12 500 diététiciennes, diététiciennes à peu près. On n'a pas dressé le petit portrait robot tout à l'heure, mais c'est vrai que la personne, la diète est plutôt féminine. C'est vrai que c'est plutôt un métier dans lequel s'impliquent donc les femmes, beaucoup plus que les hommes, et intéresse beaucoup les jeunes.
Et après, c'est vrai que c'est environ 800 diètes de plus chaque année. Donc, au total, c'est vrai que depuis les 4 dernières années, il y a 34, enfin, le diplôme, la profession, pardon, a fait un bond de quasiment 35%, avec une augmentation à peu près de 8, entre 8 et 10% chaque année. Vous voyez que s'il y a de plus en plus de personnes qui s'installent, c'est qu'il y a du travail forcément dans le domaine. Alors après, c'est qu'on voit quand même certaines disparités en fonction des régions. Donc, il y a des régions sur lesquelles la densité de diététiciennes est plus importante, notamment en région PACA, Rhône-Alpes, la région également, bien sûr, Île-de-France. Mais après, certaines autres régions, et je dirais que parfois, lorsqu'on a des déserts médicaux, eh bien, c'est là où les diététiciennes trouvent encore davantage de place, parce que lorsqu'on ne peut pas consulter facilement un médecin généraliste, eh bien, forcément, les personnes vont davantage, c'est vrai, vers les professions paramédicales ou du secteur, en tout cas, santé. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des diététiciennes diplômées donc, s'orientent à 41% vers le milieu hospitalier, à 37% vers le milieu libéral ou mixte. Hein, on l'a vu avec le profil voilà, de mes collègues, qu'elles ne sont pas que en libéral ou pas que sur de l'enseignement, mais une certaine mixité. Et ensuite, après, les 22% vont plutôt s'orienter vers l'agroalimentaire, restauration collective ou le domaine du bien-être ou du sport. C'est vrai que j'avais préparé quelques petites questions à la suite de ces données chiffrées, mais finalement, on y a répondu voilà, tout au long de nos échanges. Je vous en remercie, Muriel, voilà, Nadine et Sylvie. Et après, c'est vrai que j'aurais aimé que l'on conclue donc, par les tendances et l'évolution que vous pouvez pressentir. Alors, moi, dans les lectures que j'ai pu faire hein, là-dessus, donc, je vois bien que la diététique donc, est au cœur des problématiques de la société, hein, de chacun de nous, de la santé publique aussi. Et que c'est un métier qui est en constante évolution. Vous nous l'avez dit, hein, avec voilà, les avancées scientifiques notamment. Et c'est vrai que cette progression constante voilà, des praticiens, donc, on estime qu'en 2025, il y aura plus de 17 500 diététiciens. Et je voulais voir avec vous, donc, qu'est-ce que vous pensez des nouveaux défis du secteur ? Est-ce que c'est alors déjà je pense à la concurrence parce que lorsque je regarde la télévision, lorsque je prends un magazine, je vois qu'il y a beaucoup de diététiciens, coachs en alimentation, des nutritionnistes, naturopathes, etc. Où on voit aussi, comme le disait Sylvie, fleurir un petit peu des régimes ou comme le disait donc également Muriel, fleurir un petit peu des régimes proposés sur Internet, dans toutes les revues. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que professionnel, de cette concurrence que l'on pourrait juger comme concurrent ? Après, je pense que ça ne l'est pas, hein, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il en est de l'impact pour votre profession ? C'est un peu de la concurrence quand même, hein, faut pas oui. Se cacher. Les clients ou les patients reviennent quand même vers des professionnels de santé. Il faut faire très, très, très attention aux termes qu'on peut utiliser entre diététicien et nutritionniste. C'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé. Oui, je veux bien un petit point si tu veux bien, Muriel. Alors, nutritionniste, c'est un terme qui n'est pas protégé par l'État. Donc, tout le monde a le droit de se mettre nutritionniste. Si le garagiste, demain, il a envie, il fait ce qu'il veut. Oui. Vous voyez que ça n'a... Voilà, ça, c'est pas vraiment dans le milieu. Donc, c'est bien diététicien nutritionniste ou médecin nutritionniste, quelque part, parce qu'il a quand même ses études de médecin derrière. Méfiez-vous, voilà, de coach nutritionniste. Ça ne veut rien dire, quelque part. Les naturopathes, c'est pareil. Il n'y a pas le côté alimentaire. Voilà, donc c'est de la concurrence pour nous, oui et non, oui dans un premier temps, puis après les clients quand même reviennent vers des professionnels de santé. Donc on est bien dans le paramédical, contrairement aux autres qui ne sont pas dans le domaine du paramédical. Donc il faut faire très très attention à ce qu'on peut lire sur les petites plaques devant les cabinets ou autres. Regardez bien qu'il y ait le terme diététicien et pas juste nutritionniste, c'est important quand même. Bien sûr. Tout à fait. Donc, c'est vrai que nutritionniste, soit on est médecin nutritionniste, soit on est diététicien, les deux spécialistes de l'alimentation, bien sûr, mais en soi, nutritionniste ne veut rien dire. Et c'est vrai que tu as bien fait d'alerter là-dessus, parce que je pense qu'il y a effectivement beaucoup d'abus et de méconnaissance, en tout cas, de ce terme là, qui semble apporter tout le sérieux de la profession, mais en fait, pas forcément, bien sûr.
Alors, justement, pour vous, alors, après, donc, au-delà de ça, hein, de ce côté-là, donc, concernant cette concurrence, en tous les cas, moi, je vois comment vous pouvez aussi, bien sûr, faire valoir votre métier. Est-ce que vous vous rencontrez dans un quotidien des difficultés par rapport à ça, justement, ces concurrences déloyales, entre guillemets? Sylvie ou... Moi, personnellement, je n'ai pas de souci à ce niveau-là. Oui. Non, personnellement, non. Non. Après, bon, ça dépend aussi le secteur où on est, s'il y a beaucoup aussi de diététiciens, etc. Et s'il y a beaucoup de, soi-disant, nutritionnistes ou coach nutrition, je ne sais quoi. Voilà, bon, mais personnellement, et puis bon, de toute façon, moi, je sais que comme je suis à domicile, je suis un petit peu à part par rapport à ceux qui sont en cabinet, avec, voilà, un cabinet vraiment. Donc, souvent, quand on m'appelle, c'est parce que les personnes, elles n'ont pas envie de se déplacer en cabinet et qu'elles préfèrent qu'on aille chez elles aussi. Puisqu'il n'y a pas, c'est pas tout, enfin, j'allais dire, c'est pas tout à fait la même approche. Si, c'est la même chose, mais disons que, voilà, il y a le côté aussi où ils veulent, voilà, montrer un petit peu ce qu'ils mangent, etc. Donc, forcément, c'est plus facile pour certains, mais personnellement, voilà, moi non. Personnellement, non. Je ne sais pas, Muriel et Sylvie, si vous avez le cas. Alors, moi, je dirais que ça fait aussi partie, quand on s'installe en libéral, de la connaissance de son environnement. Je pense que quand on connaît bien justement les gens qui sont en proximité et le type de patientèle qui draine, eh bien c'est plus facile finalement de se différencier et de faire une offre qui corresponde à autre chose. Moi, j'ai pour l'habitude de penser que quand on connaît ses ennemis, hein, avec des guillemets, eh bien, clairement, ça aide déjà de beaucoup. Donc, ça nous fait rebondir sur une des thématiques, Corinne, que tu souhaitais qu'on partage. Ouais. Comment on s'installe en libéral, eh bien, il y a aussi la fameuse étude de marché. Enfin, c'est un peu un gros mot que de dire ça peut-être, mais tout au moins d'appréhender vraiment là où on est et qui seront les acteurs. Et de ce fait-là, après, moi, je ne rencontre pas particulièrement non plus, comme toi, Nadine, de problématiques de concurrence. D'accord. Alors, pour que la profession se développe, alors c'est vrai qu'on en est qu'au début, hein, pour moi, de la diététique, quand je vois ce qui, comment ça se passe au Canada, etc., aux États-Unis, etc. Donc, je pense qu'en France, on en est un petit peu qu'au début. On a vu aussi qu'il y avait quand même pas mal d'évolutions avec le secteur santé. Mais moi, dans ce que je vois, c'est que je me dis qu'il y a quand même beaucoup de gens qui pourraient être accompagnés par des diètes et qui éviteraient certaines opérations cardiovasculaires, etc. Alors, est-ce que vous, il vous semble que la profession va évoluer justement grâce à une prise de conscience encore plus importante et une application vraiment des politiques de santé plus strictes, puisque je peux voir, moi, qu'il y a du retard au niveau des embauches qui étaient prévues dans le plan national de nutrition santé, que toute personne voilà, qui devrait avoir un suivi ne l'a pas forcément, parce que c'est vrai que les consultes ne sont pas encore remboursées. Voilà, qu'est-ce que vous pensez, vous, de tout ça et de comment ça va pouvoir évoluer d'ici à une dizaine d'années? Alors, tout dépend peut-être de nos politiques, hein, toujours pareil, ouais. Parce que ça vient quand même du haut, tout ça. Voilà, vous pensez vraiment que tout va dépendre de la politique de santé, voilà, beaucoup, enfin, beaucoup pour l'évolution de ce métier? Pour autant, ça évolue quand même sensiblement, ne serait-ce que parce que bah voilà, il y a eu un plan cancer où l'alimentation avait réellement sa place au titre du soin, au même titre que l'aspect et l'approche médicamenteuse ou kiné, par exemple. Donc ça, c'est quand même une vraie avancée. Dans le plan Alzheimer actuel, c'est pareil. Il y a vraiment de citer la diététique par la Haute Autorité de Santé. Donc, il y a, dans le domaine du handicap, du polyhandicap, c'est pareil. Eh bien, il y a vraiment un chapitre, si je puis dire, dédié à notre prise en soins diététiques. Moi, je pense que ça commence par là. La seconde chose que je voudrais dire, c'est que, encore une fois, ça dépend de nous toutes, professionnelles diplômées, et nos futures étudiantes là, qui vont sortir, ce qu'elles feront du métier et toute la valeur ajoutée qu'elles pourront y apporter. Bien sûr, et je pense que ça passe aussi, comme on le disait tout à l'heure avec Muriel, par aussi savoir s'adapter.
en remettant en question un petit peu sa formation, en continuant à se former en tout cas, pour être capable justement de prendre les virages des nouvelles technologies et des avancées scientifiques, j'imagine aussi. Alors après, il est quand même évident que le jour où les consultations seront remboursées par la Sécurité sociale, beaucoup de personnes viendront peut-être plus nous voir aussi, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens aussi de payer les consultations d'un diététicien, il faut le savoir. Donc après, s'il passe par l'hôpital, bon, ça peut passer en fonction de la pathologie, etc. Si c'est, par exemple, un diabétique, quand il vient faire son bilan, il voit le diététicien, ça fait partie du cursus. Oui. Donc là, pour le coup, c'est bon. Mais par contre, voilà, je veux dire, quelqu'un qui est en surpoids, bon, il faut qu'il paye le diététicien s'il veut aller le voir. Donc, peut-être aussi que ça va permettre à une certaine population qui, finalement, n'a pas trop les moyens. C'est peut-être cette population-là, souvent aussi, qui a le plus besoin d'aller voir le diététicien. Et c'est là aussi, par exemple, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que je pense que le jour où la consultation sera remboursée, ou quelques consultations, peut-être pas toutes, mais au moins, ça serait pas mal. Bien sûr, voilà. Après, c'est vrai que je sais que votre corps de métier, voilà, est en attente quand même d'une nomenclature qui permettrait quand même un remboursement sous forme d'un forfait, par exemple le d'acte diététique dans telle ou telle pathologie. Alors, est-ce qu'il vous semble, vous, et je conclurai un petit peu là-dessus, que c'est plus ou moins dans les tuyaux et que ça va finir par se faire à plus ou moins long terme? Moi j'ai quelques éléments de réponse, comme Nadine, via notre ceinture professionnelle. Comment ? Je dis, on est preneuse si tu as des. Quelques éléments de réponse dans le sens où il y a vraiment une équipe dédiée au niveau de notre syndicat professionnel pour faire remonter nos recommandations et nos demandes au sein du ministère de la Santé. Sans faire de politique du tout, Madame Macron semblerait être une assez bonne interlocutrice pour la reconnaissance de la diététique. Alors, on va croiser les doigts et espérer qu'effectivement, on aboutisse dans un laps de temps. C'est difficile à définir, mais il se passe des choses. Il y a des propositions, il y a des gens très actifs au niveau, encore une fois, de notre profession. Après, plus on sera à en parler, plus on aura justement des étudiants qui s'intéresseront, qui viendront former chez Adonis avec nous, plus on aura des chances d'aboutir pour nos patients. Bien sûr, tout à fait. C'est vrai que je tenais à parler de ça parce que ça me paraît un point important pour le développement effectivement de vos métiers. Merci beaucoup. Alors, je pense que je vais. On devait faire 1 heure, finalement, on a fait presque 2 heures. Donc, je suis très contente parce que je pense qu'il y avait beaucoup de questions. Et en tout cas, moi, j'ai été ravie de cet échange-là. J'ai appris aussi beaucoup de choses. Et pour moi, c'est bien parce que c'est vrai que j'accompagne et je suis pas mal des étudiants en diététique, pas en tant que professeur, mais plutôt sur au moment où on se rencontre, lorsque vous êtes en recherche d'informations. Alors, je ne sais pas si vous souhaitiez rajouter quelque chose, Sylvie, Nadine, ou Muriel. Sinon, mais je conclurai moi déjà une première petite conclusion. Donc, j'étais très heureuse, bien sûr, d'échanger sur ce thème-là. Vous pourrez revoir, pour ceux qui n'avaient pas vu le début, vous allez pouvoir revoir cet échange en visio. Donc, je pense que ce sera disponible sur notre site, je crois, en début de semaine. Et ensuite, par rapport à tout ce dont je vous parlais tout à l'heure, des cours découvertes, des choses comme ça, vous pouvez retrouver aussi tout ça, sur Facebook ou autre. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup pour vos questions qui ont permis de faire avancer un petit peu ce dialogue, permis aux professeurs de pouvoir nous faire part de leur expérience qui est très intéressante. Et je vous remercie vraiment très très sincèrement toutes les trois déjà d'être venues et ensuite de tout ce que vous nous avez donné ce soir. Je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot de la fin, Muriel. Juste un petit mot, si vraiment la diététique ça vous passionne, foncez, c'est un métier qui est juste formidable. L'accompagnement, il est très enrichissant, il faut être bienveillant, le côté relationnel qui est très important, faut vraiment, vraiment vous ouvrir l'esprit après le BTS et vous entourer vraiment de professionnels de santé, mais foncez si vous aimez ça. Merci beaucoup, Muriel.
Je suis tout à fait d'accord avec Muriel. Donc, de toute façon, c'est un métier. Si on est là, c'est qu'on est passionné par ce qu'on fait. Et par contre, comme on a dit donc tout à l'heure, c'est vrai qu'il ne faut pas se cantonner juste au diplôme et, voilà, et se dire que tout est gagné, parce qu'en fait, c'est juste le début finalement. Après, ça devient de plus en plus enrichissant, on apprend de plus en plus de choses grâce eh bien, aux collègues aussi d'ailleurs, hein, puisque voilà, chacune a ses spécificités et donc en discutant, on apprend plein de choses. Donc voilà, le BTS n'est pas une finalité, bien au contraire. Et puis bon, ben, bienvenue à toutes celles qui viendront chez Adonis. On les accueillera avec plaisir. Donc, moi, je voulais juste dire que j'espère qu'on vous aura donné envie d'avoir envie d'embrasser cette carrière de diététicienne. Comme le disaient mes deux collègues et Corinne, on vous attend, on vous attend. Merci beaucoup à toutes. Alors, Anaïs, qui est avec nous depuis tout à l'heure, comme je vous disais, vous ne la voyez pas, mais elle est là depuis tout à l'heure à traiter vos questions, etc. Donc, je la remercie également beaucoup, bien sûr, parce que sans elle, ça n'aurait pas été aussi facile, puisqu'il y a eu énormément de questions. Comme je vous le redisais tout à l'heure, la question des stages et vraiment du BTS, même le côté un petit peu plus matière, etc., je le retraiterai donc samedi lors de la journée portes ouvertes en virtuel. C'est vrai que certains me demandaient les contacts des enseignants. Il faudra d'abord que je voie avec eux. Donc, si vous voulez bien donc, m'adresser votre contact et peut-être vos questions, que moi, je transmettrai directement à nos différents intervenants, donc à Muriel Creuset, à Nadine Figuet et à Sylvie de Certaines, avec plaisir. Là, c'est vrai que je ne me permettrai pas de donner des contacts comme ça, mais je transmettrai en tout cas vos questions et ensuite les professeurs verront eux-mêmes. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour la participation. Merci donc infiniment à mes trois collègues que j'ai hâte de retrouver très prochainement pour une autre table ronde sur d'autres thématiques ou journée portes ouvertes. Et je vous dis donc à très bientôt. Et j'espère ce bel échange, je pense, aura en tout cas conforté certains d'entre vous sur le chemin de la diète ou en tout cas vous aura apporté pas mal d'éléments d'information. Merci beaucoup Nadine, merci beaucoup Muriel et merci Sylvie.